Allô, bonjour. Allô, salut, comment Salut, vas-tu? ça va bien? Alors, ça y est, ça dort, ou C'est presque. bon. Oui, normalement c'est bon là. Je suis tranquille. Alors ça veut pas dire qu'elle peut pas se réveiller, mais bon, on Ouais, c'est verra. clair. En ce moment, c'est Quel âge un peu est-elle? compliqué. Elle va avoir 2 ans. 2 ans? Ah ouais. Pourtant, ça doit être fini les dents, tout ça, là, cet âge-là. Ah, elle en a encore quelques-unes, je crois, celle du fond, là. Mais c'est Qu'il a pas, tr... enfin, c'est pas ça. Elle est un peu, Non. non, elle est un peu chiante des fois. Bon, ok. Bon, alors, t'en es où du coup, dans ton installation, t'as commencé quelque chose ou pas? Avec Gramps, là, non, j'ai rien fait. J'ai juste installé. Donc, je l'ai ouvert. Je l'avais ouvert déjà il y a pas mal de temps, quoi, tout au début, là, quand j'avais commencé, donc il y a quelques mois. Et j'avais vraiment regardé très, très, très rapidement. J'avais vu plein de fenêtres s'ouvrir et tout. Euh, Toi, t'as eu peur, t'as j'avais, j'ai pa refermé. j'ai paniqué, je suis parti en courant, on va dire ça. Non, mais j'ai vraiment regardé en vitesse et je me suis dit, ah ben bon, il y a un truc gratuit en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. Après, il faut plonger le nez dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Bah, si tu veux, on peut faire. Ok. Alors, si t'as installé, bah, c'est bien. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me partager ton écran, par exemple? Ouais, on va faire ça. Alors attends, parce que je pense que j'ai fermé la fenêtre. Hein. Hop, hop. Alors, tu as désactivé le partage d'écran par les participants. Je Bon? ne sais pas. Oui, Bon. enfin, c'est ce qu'il me dit quand j'essaye de partager mon écran, en tout cas. Bon, okay, je ne sais même pas comment c'est possible ça. Plusieurs par partager, voilà, tiens, hop. Est-ce que ça fait quelque chose là du coup? Et ben voilà, c'est parfait. Des options par défaut, je pense. Oui, J'en sais rien. une sorte de sécurité, pas que quelqu'un partage un truc confidentiel en cliquant un peu n'importe où. Peut-être, ouais. Hop. Alors, Alors tiens, attends, ça. je vais inverser les écrans là, histoire d'y voir quelque chose. Hop, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors moi c'est pareil. Ah non, c'est bon, il me l'ouvre sur le bon écran, c'est cool. Alors, ça, je vais le mettre là. Hop, et ça ici. Voilà. Alors, je vois deux fenêtres là. Je vois la fenêtre Gramps et puis celle de création d'une base de données. Ok. C'est ça, ouais. Bah Et du coup, ouais. Alors je pense ouais, que donc tant, je c'est pense, lisible et tout là, c'est bon? ouais, c'est très C'est bien, ouais. lisible pour toi? Impec, Ok, parfait. ouais. Impec. Du coup, bah, on peut pas faire grand-chose. Faut faire une base de données nouveau là, ouais. Ok, et on va l'appeler. Eh ben, on va l'appeler comme mon nom de famille, hein, voilà. Hein. Ouais. Famille, boum. Ouais, clique n'importe où là, voilà. Et puis du coup, charger en bas. Hop là. Normalement, ensuite, t'as plus besoin de le charger, ça a plus besoin de le faire. Ça, ah, je sais pas, tiens. Tiens, on va S'il commencer. s'ouvre. Ouais, normalement, il s'ouvre tout seul. Enfin, moi, il s'ouvre tout seul, mais on va faire un tour déjà dans tes paramètres avant de commencer quoi que ce soit. Ok. Édition. Préférence. Par préférence, voilà. Alors, tiens, je vais ouvrir la mienne de mon côté, là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, édition préférence. Alors, bon, j'ai le vérificateur orthographique, ok. Et j'ai un truc qui Ouais, s'appelle c'est pas mal ça. qui est coché, qui est se souvenir la dernière vue affichée. Donc la dernière vue affichée, ça veut dire qu'il va revenir. Si tu fermes ton truc, ça veut dire qu'il va revenir. Si tu étais sur un individu particulier ou sur un média particulier, il reviendra à cet endroit-là si tu reviens dessus. Ok, Donc tu ouais, ce qui évite de chercher de rechercher pendant de 10 recher minutes. exactement. D'où tu t'étais arrêté quand tu as fait quelque chose. Ok. Alors, ok.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton arbre familial à côté, là? Bon, enfin, c'est rien, on s'en fiche. Alors, si, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans répertoire des bases. Alors, tu vois, ton répertoire des bases de données, là, c'est le répertoire par défaut de Gramps. Il est dans le répertoire caché. Il est dans le répertoire. Alors, il est dans le répertoire caché AppData, là, entre guillemets. Voilà. Donc, et alors, tu as AppData, Roaming Gramps, etc. Et dans ce répertoire Gramps, tu as GrampsDB, donc tu as ta base de données. Database, ouais. Mais tu as d'autres trucs au niveau de Gramps. Tous les plugins sont rangés là-dedans, etc., etc., par exemple. D'accord, ouais. OK. Un peu comme toutes les Ouais. applications Mais de temps de. en temps, ça peut être nécessaire d'aller bricoler un peu. Ok. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations maintenant, mais. Alors, tu as ta sauvegarde à la sortie, et puis tu as une sauvegarde automatique aussi, si ça t'intéresse. Normalement, il te propose chaque heure, chaque demi-heure, etc. Oh, Bon, moi, autant. j'ai chaque heure. Voilà. Ouais, c'est ce que je vais mettre aussi, je pense. Parce que. Ça me suffit amplement. Alors, après, l'affichage. Donc là, tu as l'ordre tes formats d'affichage. Par exemple, si tu veux prénom, nom ou non-prénom, etc., c'est là-dedans que ça se passe. D'accord, Et tu les peux, options, à quoi là? voilà, et tu vois que tu peux. Alors là, c'est non-prénom ou prénom-nom, mais tu peux avoir des trucs un peu compliqués. Par exemple, si tu as des noms à particules ou des trucs comme ça, et tu peux les. Alors. Sors de la liste là. Et si tu fais sur éditer, tu vas avoir un menu qui te permet d'en créer de nouveau avec les différents champs qui te détaillent en haut là. Ah oui, d'accord. OK. Ah oui, puis il y a vraiment Donc si tu as le des trucs total, quoi. à particules ou des je sais pas quoi ou des trucs espagnols ou de je ne sais quel pays un peu tu vois ils te donnent des exemples en bas Von der Smith toujours avec le même ah oui ils te donnent l'exemple avec toujours le même mec en bas là si tu descends dans si tu ouvres un peu plus ta fenêtre là si tu as Ah oui, d'accord. Vander Smith, Edwin José Vander Smith. que là il n'y a que le prénom et puis là tu as Ok. tout le bazar donc voilà. Et Ok, donc, bah en j'ai tout. ajoutant des différents trucs, là, tu vois, tu as un bouton ajouter, tu peux, en ajoutant les différents mots-clés qui sont en haut, bah, tu peux te créer ta propre format de nommage, quoi. D'accord, ok. Et ça, c'est pour tous les noms de l'arbre ou Alors, ça peut être pour. c'est tu Ça, peux le ça, régler individuellement? ouais, ça peut être pour tous les noms de l'arbre. Donc là, quand c'est dans les préférences, c'est pour tous les noms de l'arbre. Individu par individu, tu peux le régler individuellement. Ok. En plus. Ok. Bon, écoute, on va rester sur celui-là pour Ouais, l'instant, hein. voilà. C'est Ouais. très Mais bon, bien. ça permet de. Ça peut être utile. Je m'en sers. Tu vas voir, on va voir dans les individus, on peut faire il y aura des groupements de noms. Par exemple, si tu as. Comment tu t'appelles? Taleux? Ben, si tu as des taleux avec un X à la fin et puis de temps en temps des taleux avec sans X, Ouais. tu peux les grouper tous ensemble. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il y en a qui sont où il y a pas de X, il n'y a qu'un seul L, des trucs comme Voilà. ça. Le problème, c'est que par défaut, il va te les afficher dans l'ordre alphabétique. Donc, tu vas avoir, je ne sais pas quoi, André Taleux sans X qui va être affiché. Et puis ensuite, tu vas avoir Jérôme Taleux. Non, alors, on va faire dans l'inverse. On va faire Jérôme Taleux sans X qui va être affiché. Ensuite, tu vas avoir André Taleux avec un X et puis un Jérôme Taleux avec un X qui va s'afficher avec donc, le André entre les deux. Oui. Donc, si tu classes par prénom, par exemple, tu peux afficher. Attends, si tu fais un. Si tu, pour ces individus-là, tu les classes par prénom, nom, suffixe, par exemple, au lieu de nom, prénom, suffixe, et ben, du coup, il va te les arranger dans l'ordre qu'il faut dans ta vue. D'accord, ouais. Tu vas tous les avoir dans le bon ordre, quoi. Donc, ça peut être utile, voilà, des choses comme ça. OK. Voilà. Bon, ça, on a dit qu'on laissait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Format des noms Format de de lieux. date, c'est très bien. Ouais, ben voilà. Format des noms de lieux, OK. Calendrier grégorien.
qu'est-ce que c'est? Ah oui, précision de l'âge. Ok. Relation de famille par défaut, nom du père inconnu. Ok. Auteur du cas, on s'en fiche. ID. Afficher le texte. Oui, bah oui. Bon, moi je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ok. Dans le texte, qu'est-ce qu'on a dans le menu texte là-haut? Oh, ouais, d'accord, c'est ce qui s'affiche dans les différents champs, si jamais ils ne sont pas remplis, notamment dans les impressions, les trucs comme ça. D'accord, ouais. Ok, format ID. Alors, ça te dit que tous les individus, tu vas voir un peu plus tard, tu as peut-être déjà vu d'ailleurs si tu as créé un individu, tu crées un individu, tu vas avoir son nom, son prénom, et puis un ID. Donc là, I0001, I0002, etc. Et ça, pour tous les objets de Gramps, tu as un truc de ce type-là, quoi. Un 4. Okay. Donc, ah oui, et donc chacun correspond. Donc pour la famille, l'identité se fait par F et un numéro. Exactement, voilà. D'accord. Alors, suivant la taille de ta base de données, moi, typiquement, j'ai des individus avec. J'ai mis 5 pour les individus, famille 5, lieu 5, etc. etc. J'ai tout fait grossir d'un cran. J'ai 10 000 personnes, j'ai 11 000 personnes dans ma base, donc du coup, 10 000 personnes dans ma base. Donc du coup, si j'avais un ID de 4, ça n'empêcherait pas que ça m'aurait. À 9999, ça aurait continué. Sauf que c'est un peu comme pour les prénoms, là. J'aurais eu le 1 suivi du 1000 ou du 10 000 qui serait suivi, quoi, par exemple. Ah oui, d'accord, oui. Ok, parce que si tu mets là, il va te coller des zéros avant, et puis du coup, ton 10 000, il va suivre le 9999, quoi. Le 0 9999. Donc, en fonction de la taille que tu penses avoir de ta base, tu as intérêt à retailler ces trucs-là, quoi. D'accord. Et c'est pareil, c'est paramétrable après aussi, ça? Alors, c'est paramétrable après, il y a des alors vaut mieux le faire au départ, quoi, voilà. Une fois que c'est fait, mais sinon c'est paramétrable quand tu veux, et tu as des outils qui permettent de renuméroter tes trucs en fonction de ce que tu as mis dans tes paramètres, par exemple. Mais par contre, ça va te changer les ID que tu avais déjà enregistrés. Tu vas voir qu'il y a des filtres qui permettent de faire des recherches de différentes choses. Si tu avais enregistré des filtres avec un ID particulier, bah, il aura sauté, quoi. Il faut le rendre. Ok. Tu vois. Oui. Donc, vaut mieux faire ce genre de truc au départ. Tu colles 5 ouais. ou 6 là-dedans. De toute manière, ça change ouais. pas. Ça mange pas de pain. Et puis, voilà. Ok. Bah là, je suis en train de. J'ai en même temps là, que je t'écoutais. Je suis allé voir. En fait, il y a un collatéral, en fait, là, un cousin éloigné, donc, mais qui a fait l'arbre des taleux également. Mm-hmm. Il a déjà commencé sur Généanet. J'ai discuté un peu avec lui, il fait ça depuis 15 ans, et ouais. Il est à quasiment 4000 individus. Donc, pour l'instant, je peux rester comme ça. Voilà, je fais ça depuis 30 et j'en ai le double, donc voilà, on est à peu près pareil. C'est le rythme. Ouais. Ouais. Les dates, alors les dates, qu'est-ce qu'il y a dans les dates? Les dates, j'ai pas. Ah oui, si, ça, j'ai pas tout à fait pareil. Mais... Alors la date par défaut, ok, bon, c'est la balise, on s'en fout. Les nombres, alors tous ces nombres-là, là, c'est pour. Bon, alors l'espérance de vie maximale, ok, c'est le truc, quand tu vas faire tourner un truc, est-il vivant, est-il mort, il va te sortir les trucs à plus de 110 ans, ils sont probablement morts, par exemple. Voilà. Mm-hmm. Donc là, tout en bas, différence d'âge, nombre minimum, etc., c'est pour les checks, c'est pour les vérifications de cohérence dans de ta base de données. Mmh. Par contre, tous ceux, les trois du haut, nombre d'années avant et après, nombre d'années après, nombre d'années avant les dates avant, perso, moi j'ai mis 15, 50, 50, mais on peut être amené à les changer de temps en temps, ça peut être utile. Parce que typiquement, quand tu fais une recherche, si par exemple tu as une date après 1900-0101 dans ta base, et que
Non, si tu as, si tu as une, oui, si tu as une date après 1900-01-01, que tu cherches quelque chose qui est En 51, 1951. en 1951, ça, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de souci. Par contre, si tu veux chercher quelque chose qui est en 19, qui est en, je ne sais plus dans quel sens ça marche, que je crois que c'était en 1902, par exemple, il va te ramener ce truc-là parce qu'il est dans la marge des 50 années. Ok, oui. Okay. Donc quand tu fais des recherches avant quelque chose ou après quelque chose, etc., c'est les critères il va te ramener tous les événements ou tous les individus, etc., qui sont dans la marge que tu auras indiquée là. D'accord. Donc du coup, ça peut être sur certaines recherches plus précises dont tu as besoin, ça peut être intéressant de revenir dans tes préférences, diminuer le truc à 5 et puis le remettre après à 50 ou à ce que tu auras choisi pour mieux faire tes recherches, quoi. Ouais. Et Okay. c'est pareil, ça, c'est un curseur avec lequel on peut jouer quand on a Exactement. besoin et Quand on après en a on besoin. revient. Généralement, on n'en a pas besoin, mais voilà. Au moins, voilà, ça explique à quoi ça sert, hein, déjà. Ok. Bon, après, il y a le chercheur, on s'en fiche. Après les dates, il y a le chercheur. Ok, c'est ton blabla. Alors, chercheur, message d'avertissement. Alors, message d'avertissement. J'ai le premier et le quatrième, moi, voilà. Ça me fait jamais rien, sauf que de temps en temps, voilà, c'est toujours utile de savoir si tu as une erreur quelque part. Donc, tu vois, Oui, je le mets affiché. Voilà. on va le mettre, on va. Ça ne mange pas de pain, quoi. Bon, les couleurs de ton truc, ok. Bon, ça, bon, voilà, c'est basique comme Ok, ça et je changerai. tu feras ce que tu veux après, voilà. Voilà. Allez, Et le symbole. les symboles, et donc toi, tu t'arrêtes. Ouais, c'est en fait, voilà, il faut faire. En fait, moi, je les utilise pas. Voilà. Donc, en fait, il va chercher toutes les polices qu'il peut y avoir sur ton Ah oui, ordi d'accord. pour essayer de trouver les symboles généalogiques. Alors, je sais pas si. Ah, pour afficher le Ouais, Siri ouais, ou les ouais, trucs comme ça. ouais, ouais, ouais. Ok. Je sais pas si je peux partager mon écran. Partager mon écran. Comment je fais pour partager ma fenêtre là-bas? Je peux pas faire. Ah si, c'est ça. Ok. Partager. Alors, Je sais pas si tu vois ma fenêtre en même temps. bah en même temps, non. Ah, peut-être sur. Non. Non, je Non, ne tu vois vois. pas. Peut-être qu'il faut. Moi, j'arrête le partage pour Bah voir. non, moi, je sais pas, t'as pas une deuxième fenêtre, hein? Ou je sais pas, à la place de mon icône, ça s'est pas affiché ma fenêtre des fois. Bah, écoute, non. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Bon. Non, ça, je suis déjà connecté, donc. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah, je ne sais pas où est-ce que c'est. Non, ça Bon, n'a bah je vais pas. Ah, si, arrêter. attends, Ah, il y mais. a peut-être le symbole là qui Attends, est attends, du coup caché. je me suis déconnecté, je me suis. Hop, je vais le remettre. Invité vidéo. Partager. Voilà, je partage mon écran. Vous voyez actuellement l'écran et vous êtes en train de partager votre écran, ça me dit. Non, tu vois pas, toujours. Non, toujours pas. Bon, bah, c'est pas Toujours pas grave. d'écran en bas. Ok. Ben non, écoute, il n'y a même pas l'option de. Non, il n'y a rien du Non. tout. Ok, c'est pas grave. J'arrête de partager comme Ok. ça. Ok. Et donc toi, tu t'arrêtes là. Moi, je continue parce que j'en ai d'autres. Notamment, j'ai des thèmes, j'ai la variante sombre, des choses comme ça que j'ai installées. Déjà, si tu ne l'as pas, c'est que ça veut dire que si tu reviens au premier onglet général, là, fais un coup de vérifier les mises à jour. J'imagine que tu dois avoir un paquet qui ne sont pas installés. Voilà. Donc, tu fais tout sélectionner, tu installes tout ça là. Hop. Ah oui, mais c'est bizarre. En plus, je l'ai téléchargé il y a quoi? Il y a 2 semaines, je crois. Ouais, mais Celui-ci. il fait une fois par mois ou un truc comme ça. D'ailleurs, c'est marqué juste. Ah, ben c'est parce que tu as vu là ta vérification des mises à jour, jamais.
Donc en fait, là, quand il va arrêter, juste sous la fenêtre de progression, là, tu as Ah vérifié, il n'y a marqué jamais. oui. Ouais, du coup, quand il aura fini, tu mettras, je sais pas, une fois par mois, Oui. par je sais pas combien de temps, comme tu veux, quoi. Ok. C'est comme ça qu'il te met. Alors, il t'installe tous les nouveaux. Tous les... Là, il t'installe tout, là. Mais ensuite, il te le propose. Il te propose les mises à jour, en fait, après. D'accord. Donc, il y a ça. Télécharger, installer. On va redémarrer Gramps. OK. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais, bon, ensuite. Ok. Je lui demande de le télécharger ou pas, alors ça. Peux essayer, mais bon. Je ne sais même pas ce que c'est, Moi non plus. Launcher. Ça aussi, c'est un rapport. Ok, bon, ben c'est bien. Du coup, il a Donc là, fait. je redémarre ou il va pouvoir démarrer tout Moi, seul? ben, tiens, mais change-lui son truc là, du coup, pour Ah entier. oui, en mettant une fois par mois, du coup, Hop, tac, voilà, fermé, puis voilà. Ouais, puis tu peux le redémarrer, tu vas avoir plus de choses. Non. Déjà, normalement, il devrait revenir ah ben là où. la page sans avoir à Enfin, charger la la page, base de données. il n'y avait pas de page. Ouais, mais ouais, il est revenu. Oh, mais... Non, c'est bizarre ça qu'il ait fait ça. Ouais, peut-être parce qu'il n'y a personne dedans, peut-être, j'en sais rien. Oui, Bon, peut-être. on va voir. Okay. Donc, du coup, si tu retournes dans ton édition de paramètres, là, tu vas en avoir au moins un de plus, là. Voilà, t'as un thème à la fin, par exemple, tu vois. T'as un truc qui est Ah oui. arrivé là. Voilà. Donc, essaye, vas-y, clique sur Variant Sombre, tu vas passer en noir, par exemple. OK. Ah, d'accord. Pour Voilà. consommer un peu moins. Moi, je sais pas. Enfin, ça repose. Voilà. Et puis là, bah, oui, là, ensuite, tu. Ça, c'est pareil, c'est juste Ouais, des trucs un peu c'est du pour le tout, ouais. design de l'appli. Ouais, c'est ça, voilà, On va voir ce que c'est. Ok, à l'ancienne. ouais. Oh, Ça, c'est super, pour le contraste est bon. On va rester en les base pour là. malvoyants. Ouais, voilà. Voilà, comme ça, c'est très bien pour l'instant. OK. Donc là, bon, voilà, on a passé, en gros, les paramètres, c'est bien d'être passé par là, parce que ça permet de faire un tour d'un peu de ce qu'il y a derrière après. Oui. Et notamment avoir chargé les différents greffons, c'est pas mal. Alors, bah ouais, ferme ça, va. OK. Alors là, on est dans le tableau de bord. Ah bah, vas-y, fais un clic droit dans le tableau de bord là. Alors, ça va ici, donc. Là, non, sur la page. Ah, sur la, ça, Ouais, s'appelle le directement. tableau de bord. Ah oui, Ouais, c'est d'accord, tableau de ça. bord. C'est ça qui s'appelle le tableau de Ouais. bord. Tu vois, OK. sur la gauche, tu as l'ensemble des vues de Gramps, tableau de bord, individu, relation, famille, etc. Et là, OK. tu es sur la première, le tableau de bord, là. D'accord, oui. OK. Et donc là, en cliquant là, ça te donne un menu. Bon, et là, tu as tout un tas de trucs dont beaucoup sont. Un certain nombre étaient là. Et puis un certain nombre d'autres se sont installés quand tu as téléchargé les greffons supplémentaires il y a 2 minutes là. D'accord. OK. Bon, je sais pas, tu peux essayer. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est les noms de famille. Ah, en fait, ça fonctionne comme on appelle ça là. J'avais ça il y a quelques années sur mon navigateur, les Ouais, flux comme de... RSS là. ouais, Et bah un peu les. tu dois en avoir un. Attends, je vais aller sur le mien, tableau de bord. Je sais pas ce que j'ai comme truc là. Parenté, chez le Python, da, bon, je sais pas. Bah là, ça va t'afficher ça doit t'afficher un calendrier, je pense. Oui, ça, Genre de... j'imagine, c'est Bon, pour quand voir les ouais, anniversaires du jour, un truc comme ouais, ça. c'est ça, ouais. Alors, si je veux bien y aller, on sort mon tableau de bord, j'ai mis trop de temps. Ah, maintenant, il est en train de faire une Il est en sauvegarde, c'est pour modif, ça que ça ça. rame, là. Ouais, voilà. Et puis, je ne sais plus comment il s'appelle, t'en as un qui. Alors, journal de. Les nouvelles, tiens, réfléchis les nouvelles. Voilà. Et là, il dit qu'il y a la cinquième qui est sortie, qu'il y a da, par exemple. Ok, ah oui, c'est pas mal ça, tiens. Voilà. Et donc, si tu prends ton, je sais pas, tu prends le premier bouton de ton truc là, du, du, du,
Par exemple, de nouvelles, de birthday, ouais, voilà, tu cliques dessus, ça va te le détacher. Alors, voilà, ça te le détache. Donc, tu auras les trucs détachés, c'est-à-dire que tu peux aller te balader dans une autre vue et puis l'avoir détaché, par exemple. Ok, d'accord, l'avoir toujours sous le coude comme ça. Exactement. Ok. Et si je veux le réintégrer, là, et bah, tu le fermes, tu le fermes, il va se remettre où il était. Ah, ok. Nickel. Tu peux, bah, c'est pareil, si tu cliques dessus simplement sans. Si tu restes cliqué sur le même bouton que tu as pris là et que tu te déplaces, ça va te mettre ailleurs. Ok. Voilà. Parfait. Allez, on va aller faire un tour dans l'individu. On va créer quelqu'un là-dedans, histoire de. Allez, c'est parti. Alors, déjà, c'est un peu. Tiens, prends ta fenêtre, la barre verticale de ta fenêtre là. Qui est au milieu de la fenêtre là, entre naissance et filtre. Ah oui, entre les deux. Hein. Ouais. Jamais plus petite, c'est ça ? Non, plus grande, au contraire. Plus grande. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, tu vois ce qui se passe dans la fenêtre. Voilà. Alors, déjà, là, si tu regardes en haut, là, dans les différents boutons que tu as, là, tu as un bouton qui est enfoncé. Bon, alors, ça, c'est pour gérer tes bases de données. Tu peux cliquer dessus, tu peux y aller sur ton truc de base de données. Là. Tu vois la base de données sur laquelle tu es, tu peux en créer des nouvelles, tu peux bricoler, etc. Donc là, tu fermes. Alors, attends, je vais les faire dans l'ordre. Tes boutons flèches, quand tu vas avoir deux, quand tu vas avoir créé, je sais pas quoi, quelques individus là-dedans, tu passes, si tu vas sur un individu, puis ensuite sur le suivant, puis etc. Avec les flèches, bah, tu vas du précédent au suivant que tu as édité. D'accord, oui. Donc, pareil pour les familles ou les objets. À chaque coup, dans ta fenêtre, tu as ces flèches-là, ça te permet d'aller en avant ou en arrière par rapport à celui que tu as. Que tu as édité dernièrement ou après. Quoi. D'accord. La maison, en fait, tu as un concept de personne par défaut. Donc, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, n'importe qui, on s'en fiche quand même. Et quand tu auras créé quelqu'un. Point de repère. Quoi. Voilà. Et typiquement, il y a. Alors, dans les options qu'on a par les petites flèches qui sont au bout du cadre à droite de filtre ou à droite de référence en bas là. Ouais, dans la petite flèche voilà. Tu as les mêmes trucs que tu avais dans le tableau de bord, tu peux ajouter un certain nombre de choses et tu vas avoir par exemple, je sais pas quoi, les ascendants, les descendants, bon, les ascendants et descendants, ça va être les ascendants et descendants de la personne active, mais tu vas avoir par exemple un truc qui s'appelle connexion approfondie. Donc ça va aller te chercher tous les liens qu'il y a entre la personne sur laquelle tu te trouves et la personne par défaut. D'accord. Donc si il va te dire tes cousins au cinquième degré, il va te montrer toute la ligne entre toi et cette personne. Bon, c'est pas si la personne par défaut c'est toi par exemple. Ok, ouais. Okay. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et ça en fait si je le mets sur un individu. Il se met après sur tous les autres ou bien c'est à chaque fois. Non, c'est à chaque coup que tu bouges d'un individu, il va refaire le calcul entre cet individu-là et toi. Si c'est toi qui es la personne par défaut. Ok, mais du coup, si je rajoute ce qu'ils appellent les grandes plates, là, il le sera dans chaque individu. Quoi. Okay. Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Là, tu es dans ta vue. Vas-y, clique dessus. Clique sur connexion approfondie. Ça t'a rajouté un onglet en bas, t'as vu ? Voilà. Donc là, en dessous, il te dit que l'individu par défaut n'est pas défini, etc. Donc on va créer une famille, par exemple, un père, une mère, et puis quelqu'un et puis son père et sa mère. Et puis quand on reviendra là-dessus, on va mettre, je sais pas quoi, l'enfant et la personne par défaut. Il va te calculer, si tu te mets sur le père, il va te dire que le lien entre cette personne et la personne par défaut est une relation de père-enfant. Quoi. D'accord. Et il va te montrer les noms des gens. Quoi. Ok. Ça, c'est vraiment bien ça. Alors, si tu retournes sur ta petite flèche, là, tu peux. Alors, déjà, tu peux prendre ton truc. Tu peux. Si tu cliques sur le. Ou là où il y a marqué connexion approfondie.
Hop, tu cliques dessus et tu le soulèves, par exemple. Voilà. Vas-y, lâche-le. C'est quoi? Je peux le mettre n'importe Tu où ou c'est peux pour le le lâcher, tu peux supprimer? le Ah oui, lâcher. d'accord, ok. Et donc, du coup, Pour ça t'ouvre l'avoir une en fenêtre volante. tu peux l'avoir en fenêtre volante et elle reste sur cet individu-là, même si tu te balades dans un autre endroit, par exemple, dans tes événements ou dans je ne sais pas trop quoi, par exemple. Okay? Ok, mais si je change d'individu, Si tu changes elle de ton se refera le individu, calcul. elle va refaire le calcul automatiquement, ouais, tout à Ok. fait. Donc là, si tu fermes ta fenêtre, elle va revenir dans ton truc, elle va revenir en bas. Voilà. Oui. Et pour l'enlever, bah, il faut que tu repasses par ta petite flèche là et que tu fasses enlever le grand plateline du coup. Ok. Ok. Donc celle-là, comme celle-là, je la mets plutôt à côté des filtres là, plutôt qu'en bas, D'accord. parce que ça peut prendre parce que c'est plutôt en haut, ce qui s'affiche est plutôt en hauteur. Et Ah oui. c'est intéressant. En fait, en haut, là, moi, perso, qu'est-ce que je mets? Je mets les ascendants, les descendants, je laisse les filtres, les ascendants, les descendants, les connexions approfondies, des trucs comme ça. Et puis, tous les sujets qu'on trait à l'individu du courant, comme tu l'as en bas, les détails, la galerie, etc., je les laisse en bas. Donc, j'ai un peu plus de choses, j'ai les enfants, j'ai je sais pas quoi, les parents, etc. Mais bon, toi tu les as aussi. Ouais, Bah, je sais, donc, enfin. ouais, bon, enfin voilà, j'ai pas grand-chose de plus dessus. Des références, ouais, tu les as aussi. Bon, ouais, bah, j'ai à peu près la même chose. Hein. Peut-être des trucs supplémentaires, mais bon, pas tellement. Donc on va continuer dans notre fenêtre. La personne, donc on avait la maison, c'était la personne par défaut. Donc si tu cliques Ouais. dessus, quand tu cliques dessus, bah, tu reviens à la personne par défaut. Mais comme là, Comme là, il n'y en a pas, il n'y a personne. Voilà, voilà. ça, voilà. Explique, édition, définir la souche. Ok. Ensuite, bah, là, le plus, c'est pour créer un individu. Enfin, c'est pour Logique. créer un objet de la vue. Donc ici, comme on est dans la vue individu, ça va créer un individu. Dans la vue famille, ça va créer une famille, etc. D'accord. Ok. L'autre d'à côté, c'est quand tu es sur un individu, bah, ça l'édite. Et puis là, ça te l'enlève, Pour le ça te le supprimer. supprime. Voilà. Alors, sachant que quand tu fais quelque chose, si tu supprimes un truc, déjà, ça va te le demander si tu veux vraiment le supprimer. Et puis, Ouais. si tu regardes dans le menu édition, là, au-dessus. Tu peux toujours rétablir les choses et t'as, alors tu peux rétablir tu peux annuler le la dernière annuler contrôle Z là, le dernier le dernière dernière modif que tu as faite, hein. Mais aussi tu as accès à l'historique d'annulation, c'est-à-dire que tu Ouais. peux si tu t'as fait 25 modifs et que tu veux revenir en arrière, bah, tu annules tes 25 dernières modifs. Ok. Bon, ça c'est bien, ça c'est toujours bien d'avoir ça. Ouais, c'est Dans clair. n'importe quel logiciel d'ailleurs. C'est clair. Donc du coup, ok. Donc ça c'est pour Donc là, fusionner fusionner. des objets. Tu peux les fusionner deux par deux. Tu peux pas en sélectionner 10 et sélectionner 10 à la fois, quoi. Ok. Enfin, ça arrive des fois de devoir faire ça, plus que deux par deux. Déjà, Bah, je sais pas fusionner un avec un, c'est bien déjà. si t'importes un jet de com de quelqu'un qui te l'a. Quand tu as déjà une base de données, que tu importes un jet de com et que le type il arrive avec toute une branche que tu as déjà, ça peut être intéressant de fusionner la branche, par exemple, tu vois. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, ok. Oui, Ça en t'évite de effet. les faire à part. Hein. Bon, ça c'est les étiquettes. L'étiquette. Ok. Ça, c'est ton presse-papier. C'est super intéressant d'avoir le presse-papier. Alors, Ah si tu oui, le. c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai regardé la première ou la deuxième vidéo là sur YouTube Ouais. des sortes de réunions là. Ouais. Vous en parliez beaucoup, donc je me dis c'est quand même bizarre le presse-papier qui est hyper important. Ouais, bah J'ai ouais. pas tout à fait saisi pourquoi, mais je pense que je vais comprendre après. On verra après. Bah, ouvre-le, bah, clique dessus. Bah. Voilà, ça va t'ouvrir une fenêtre. Tu la mets quelque part et puis on va la garder tranquillement dans un coin. Voilà. Alors, après le presse-papier, ah bah tu as le bouton de préférence de la fenêtre. Donc, ça va te permettre de rajouter des colonnes. Là, tu vois que tu as nom, prénom, naissance, décès, tu n'as pas grand-chose. Si tu cliques là-dessus, tu vas avoir plein de colonnes que tu peux rajouter dans le truc. Ça peut être intéressant Ah oui, d'avoir bon bah lieu de plus de naissance choses quand à faire. même. Voilà. Lieu de décès, allez, on va mettre.
conjoint, c'est plutôt sympa aussi. Étiquette privée, nombre de notes à faire, nombre d'enfants, bon. Alors, Nombre de ménages. le dernier, la modifier. Alors, bon, ça, ensuite, c'est des préférences basiques, entre guillemets, si tu veux. Le dernier, le modifier, là, ça te va t'afficher la date de dernière modification d'un enregistrement dans une D'accord. colonne, ce qui te permet de trier sur tes dernières modifs, par exemple. Ok, ouais, ça peut servir ça. Alors, avant de fermer, il faut faire appliquer pour que ça marche, et puis voilà. Ah d'accord. Ah, mais il est placé bizarrement ce Ouais, bouton. c'est arbitre, c'est clair. Une fois sur deux, j'oublie. C'est Donc, pas du coup, très. ouais, c'est pas très ergonomique le truc là. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont dû faire ça. Hein. Donc, du coup, Ouais, ça on t'a peut le garder rajouté. là. Voilà, exactement. Donc, du coup, alors là, en fait, le bouton d'après, là, c'est la vue. Comment ça s'appelle? C'est une vue, c'est quoi ce truc-là? Bon, c'est les individus groupés, les individus tout seuls. Donc là, on voit rien parce que ben, si tu peux cliquer dessus sur individu tout seul, là, ça va te faire la même chose, sauf que du coup, ça revient à la vue d'avant, enfin à l'état dans lequel tu étais avant, nom, ID, etc. Parce que cette vue-là, elle a pas été paramétrée. Il faudra que tu reparamètres de la même façon ou d'une autre, peu importe. D'accord. En fait, dans la vue groupée, ce que je t'ai dit de mettre la date de modification, elle ne sert pas à grand-chose parce que comme c'est des groupes, bah, tu ne peux pas trier par la date de modification dans une vue groupée. Par contre, D'accord. dans la vue qui est dégroupée, là, celle d'après, elle, par nature, elle est juste alphabétique. Et donc, enfin, elle est alphabétique suivant l'ordre de la colonne que tu utilises. Tu vois, là, sur le nom, tu as une espèce de triangle, là, qui te dit qu'elle est triée par le nom. Mais si Ah tu veux oui. trier, si tu cliques sur genre, bah, ça va te trier par les genres. Ok, ouais. OK? Donc, si tu as dans les différentes colonnes, tu as la date de modif, tu peux trier par la date de modif. Ok. Dans l'autre, dans la vue groupée, comme tu vas avoir le groupe, tu as c'est le goût. Si tu avais le talent et le goût, bah, ça va te trier les gens au sein des groupes, mais ça ne va pas te changer quoi que ce soit, quoi. Oui, Ça va te trier on l'ordre de verra pas. modification au sein des groupes, mais bon, généralement, tu ne modifies pas forcément que des gens dans un même groupe de noms, quoi. Oui, tout à fait. Et puis Du après, coup, je on ne va sais pas aller. du tout ce que c'est. C'est quoi? Ah, les dialogues de rapport, et puis les boîtes. Bon, okay. Hop, je remets juste ça pour les individus seuls. Enfin, non groupés, en tout cas. Voilà. Nombre de rangs, pom pom pom. Ah Et oui, donc, appliquer, putain, mais je t'as l'ai fait. déjà. C'est clair, c'est normal, c'est normal. Hop, ok, Voilà. donc ça, Bon, c'est après, là. c'est pour faire des rapports et puis pour utiliser les différents outils disponibles. Ok, on verra ça après. Bon, bah, je te Ok. propose, là, on se crée une personne là-dedans. Bon, si tu... Allez. Alors, je sais pas, ça dépend comment tu travailles déjà, tiens. Personnellement, moi, je travaille par les sources. Alors, je sais pas si tu veux faire une tu veux te balader sur les différentes vues ou quoi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir. De toute façon, il n'y a rien dedans. Donc, Oui, bon, on fera après ça pour voir voilà, exactement. ce que ça Alors, je donne. sais pas comment tu travailles. Tu crées un individu et puis et tu rajoutes ce qu'il faut dedans ou tu travailles à travers une source et ensuite tu dispatches les informations de la source dans les différents sujets. C'est-à-dire, je sais pas quoi, tu vas te créer si c'est un mariage, tu vas te créer une famille et puis à l'intérieur tu vas créer des individus et un événement mariage parce que tu es sur cette source-là, quoi. Ça dépend Ouais. dans quelle ordre tu travailles. Alors ça, c'est vraiment une question que je m'étais jamais posée, tu vois. Donc, je pense que je fais un mélange des deux, hein, parce que j'ai commencé. Enfin, quand tu fais l'arbre, tu commences par un individu, forcément, et après, Ouais, voilà. En fait, au début, je travaillais de la première méthode, avec la première méthode. Je prenais un individu et je récupérais ses sources, en fait, ses documents. Ouais. Et au fur et à mesure, quand tu avances dans ton arbre, ben t'as plus vite fait. Enfin, c'est pas que t'as plus vite fait, mais en tout cas, t'as plus tendance à faire avec la deuxième méthode, c'est-à-dire d'aller remplir à droite, à gauche, selon la source Alors, à récupérer. je te conseille, va dans les sources plutôt que dans les individus. On va créer une source bidon. Pas grave.
dans les sources. Alors, tes sources, là, c'est pas. Alors, bon, tu as les mêmes boutons en haut, là. Tu as deux vues, tu as deux types de vues sources. Si tu vas dans les trucs après, après les réglages, là. Voilà. Tu as une vue. Je te conseille celle-là, c'est juste les sources. Et l'autre d'à côté, c'est groupe de citations. C'est les sources, c'est les citations et les sources à la fois. Je te conseille celle-là. D'accord. Ah oui, ça c'est vrai que l'histoire des citations, là, je n'ai pas trop saisi d'ailleurs ce que c'était quand alors, j'ai regardé. Bah tiens, on va créer un truc, tu n'as qu'à appuyer sur le plus là. Donc là, ça te crée une citation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le plus de la source. Donc on va dire, je ne sais pas quoi, état civil de je sais pas où, de Trifouille-les-Oies, où tu veux. Ok, on va mettre. Allez, on va mettre ça, Coulon. Ok. Alors, tu vas aller. Alors, on va le faire bien. Tu vas aller dans dépôt en dessous là. Dépôt. Ah oui, pardon. Et là, on va créer un dépôt. Tu vas appuyer sur le plus. Donc, cette source-là, on va dire que c'est, je sais pas quoi, un livre ou de l'électronique que tu as trouvé sur Internet, par exemple. Ok. Ah oui, d'accord, il y a tout, un peu tout. On va mettre. Donc, voilà, HTTP trucmuche dans la cote, et puis, ou la vraie cote, comme tu veux. Et puis en bas, là, donc ça, c'est unique par. Donc en haut, la partie haute, là, que tu vois, où il y a information sur la référence, c'est la. Donc là, on est en train de créer un dépôt pour cette source. Donc, le dépôt pour cette source, c'est les AD qui correspondent à, je sais pas où est la ville de Coulogne, là, que tu as c'est saisi. Dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Ok, donc en bas, là, dans le nom, tu vas avoir archive du Pas-de-Calais ou un truc comme ça, AD62 ou comme tu veux. Quoi, ok, tu vois. Ouais, on va mettre ça, AD62, c'est très bien. Et puis le type, bah, ça va être une archive, et puis voilà quoi. Donc, en bas, cet AD62, là, tu es en train de créer un enregistrement de type dépôt. Quand on regarde à droite, à ta gauche, pardon, on est dans source, mais tu vois qu'en dessous tes sources, tu as une vue citation, tu as une vue dépôt, tu as une vue média, etc. Mm-hmm. Pas dans l'éditeur, là. Dans Gramps, là, sur tes vues, tableau de bord, etc. Ah oui, pardon. Ah oui, d'accord. Tu as des vues citations, dépôts, etc. Donc, en fait, on va aller créer en faisant ça, on va directement créer dans les dépôts un dépôt AD62 hein, quand tu vas faire valider ce dépôt-là. OK ? OK. Tu vas faire deux choses. Tu vas créer le dépôt dans dépôt et tu vas créer un lien entre ce dépôt et cette source, qui est la partie haute qui est dans information sur la référence, qui est le fait que c'est aux AD62 une référence électronique avec une certaine cote et une URL, par exemple. Mm-hmm. Okay. Aux AD62, tu as une multitude de cotes. Donc là, tu es sur l'état civil de Coulogne, mais quand tu seras sur l'état civil de, je sais pas où, de Boulogne, je sais pas si Boulogne, c'est aussi dans le 62. Oui, Boulogne, et ben, tu utiliseras la même source. Bah, d'ailleurs, on va le faire. Tiens, fais valider ton truc là. On va dire c'est n'importe quoi, mais on va dire qu'on le trouve une deuxième fois. Donc là, comme tu sais qu'elle existe, ta source AD62, tu fais pas un plus, mais tu fais une espèce de doigt là, qui est au milieu là sur la page là. Voilà, ajouter un dépôt existant. Et là, tu vois que tu en as un qui est le dépôt AD62. Il existe. En fait, il est dans les dépôts. Donc si tu le sélectionnes, valider, ou double-clic. Bah, voilà, tu dis que bah, là, tu l'avais en électronique, mais tu sais qu'elle existe aussi en livre. Bah, tu vas une autre référence, sa référence physique en livre. Tu fais valide, tu mets autre chose, YYY là-dedans, là, par exemple. Hop. Validé.
Et du coup, cette source, l'état civil de Coulogne, il a deux références dans ce dépôt-là. La source en électronique et la source, le registre physique qui est aux archives. D'accord, oui. Okay. Mais alors tu peux fermer son état civil là. En validant. En validant, ouais. Donc du coup, tu as une citation état civil de Coulogne. Tu as une citation qui se trouve dans le qui fait partie de la source état civil de Coulogne. Mm-hmm. Et puis bah ta citation, bah je sais pas quoi, ça va être l'acte de naissance de Pierre Martin le 1er janvier 1870. Donc tu vas mettre, je sais pas quoi, 1er janvier 1870 dans la date là. Hop, en dessous, acte de naissance de qui tu veux. Voilà. Hop, on va mettre ça. Voilà. Bon, tu vois qu'en bas, tu pourras rajouter, par exemple, une note, par exemple, une transcription dans la galerie. Tu peux rajouter l'acte, la copie d'écran que tu as pris sur du registre, ou etc. etc. Mm-hmm. Tu fais valider. Donc là, tu as ton état civil qui ta source état civil de Coulogne qui est apparue. Si tu cliques sur la flèche en début de ligne, là, tu vas ouvrir la ligne. Et à l'intérieur de ça, tu as ton acte de naissance. Tu peux élargir la colonne. Si tu te mets tu peux élargir ta colonne. Voilà. Tu as l'acte de naissance de Kléber Talleux. Okay. Alors, si tu vas dans dépôt là maintenant, là, tu vas dans dépôt. Voilà. Tu vois que tu as ton AD62 qui est arrivé dans le dépôt alors qu'il était vide auparavant. Si tu cliques dessus une fois, tu vas dans la fenêtre du bas, déjà tu as le détail, tu as son nom. Et puis si tu vas dans les références, bah, tu vas voir qu'il est utilisé par la source Trucmuche. OK. D'ailleurs, si tu peux très bien, depuis ici, tu peux double-cliquer là-dessus, tu vas rouvrir la source. Tac. Okay. OK. Voilà. Donc, okay, donc en fait, si je reprends dépôt citation source, c'est un peu pour un peu schématiser le truc, ça c'est un peu l'équivalent de une armoire avec les tiroirs et Alors c'est l'équivalent d'une bibliothèque avec un bouquin dans une bibliothèque et le numéro de la page ou le nom du chapitre dans le bouquin. Mmh. Ok, ouais. Ok. Donc, tu as le dépôt, c'est tes archives. Ta source, c'est le registre d'état civil de Coulanges et de 1870, par exemple. Tu peux en créer une deuxième source quand tu as le registre d'état civil des naissances de 1890, histoire de ne pas te mélanger. Et puis, au sein de ce registre d'état civil des naissances de 1890, tu as l'acte de naissance de Kléber Talleux. D'accord, ouais. Ok, mais t'auras peut-être d'autres choses. T'auras peut-être la naissance de son frère qui est né 9 mois plus tard. Mm-hmm. Ok. Ou le mariage, s'il y a les BMS, le mariage des parents 3 semaines avant, ils sont un peu mariés un peu tard. Donc cet acte de naissance là, tu vas cliquer, tu vas le sélectionner et tu vas le déplacer dans le presse-papier. D'accord. Hop, tu le lâches là. Voilà. Du coup, dans ton presse-papier, tu as un stack de naissance. Ouais. Alors, t'as, en dessous, tu as les boutons là pour aller soit en effacer. Alors, clique sur l'acte de naissance là ou effacer tout, peu importe. Ouais, voilà, effacer tout. Si tu te remets, tu y es sur ton acte de naissance, si tu fais CTRL-C, ça va te le mettre tout seul. Non, pas besoin de le... C'est comme tu es collectionné sur le truc là, si tu fais CTRL-C, ça va te le mettre dans le papier. Ouais, voilà. C'était raccourci. Ok, voilà. Ce qui permet, par exemple, si tu veux sélectionner 10 trucs plutôt que de les amener 10 fois dans le presse-papier, tu sélectionnes les 10 et tu amènes tout d'un coup. D'ailleurs, tiens, retire-le encore de ton presse-papier. Si tu sélectionnes l'acte et la source,
Les deux, tu fais un shift, voilà, tu fais contrôle C et ça va te mettre les deux. Ah non, ça ne te met pas les deux. Ah ouais, non. Bon. Ah, parce que. Bon, ok. Bon. Normalement, ça le fait quand c'est peut-être une particularité des vues groupées comme ça. Bon. Ok. Vas-y, tiens, fais. Je ne sais pas si. Bon, je sais pas. Bon, non. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir retourner dans notre individu, là, dans nos individus, et on va créer un individu. Donc, un plus. Donc, ce Kléber, on va le créer, là. Allez, Kléber, t'as le. Alors, donc, prénom, le... et du coup, là, c'est, par exemple, tous les prénoms, je les mets là. En fait. Ouais, tu les mets là, voilà. Alors, tiens, si il y en a plusieurs, ce brave garçon? Ouais. Bah vas-y, mets-en deux ou trois, voilà, par exemple. La manière de les séparer, c'est juste avec un espace. Un espace. Ouais, un une virgule, non, ou... un espace. Ça, non un espace. Voilà. Alors, nom de famille. Nom de famille, ah. Il est là. Ouais, exact. Alors, tu avais l'air de l'appeler Kléber. J'imagine que c'est son prénom principal. C'est son prénom d'usage. C'est ça, ouais. Alors, tu vas dans usuel, là, dans la case à côté de surnom usuel. Là. Ouais. Essaie de rentrer n'importe quoi. Toto. Voilà. Voilà, ça apparaît en rouge. D'accord, mais ouais. Voilà, bon, tu peux effacer. Si tu mets Adolphe, par exemple, ou Kléber. Voilà. Ah oui, là, il okay. valide parce qu'il, enfin, il valide parce les... qu'il le trouve dans les prénoms qui sont dans la liste. Ok. Et donc ça, c'est le nom le prénom utilisé par l'individu. Quoi. Exactement. D'accord. Ça, c'est pas mal ça. Alors, tu fais comme tu veux. Après, personnellement, moi, quand je crée un individu, je dis d'où je le sors, et donc je mets la citation. En l'occurrence, si c'est l'acte de naissance par laquelle je l'ai connu, je le mets dans la citation de l'individu. Donc, par exemple, va sur ta citation là. Non, pas dans, va pas là-dessus là, laisse ton va dans le presse-papier dans ton presse-papier okay. Prends ta cita... clique enfin clique prends, sélectionne ta citation et déplace-la vers l'onglet citation du truc. Il va devenir actif l'onglet citation. Tu descends et tu déposes le non tu descends ah, voilà tu descends et tu déposes. Ah, parce que je suis déjà dedans, en fait. Voilà, tu déposes. Donc là, il te l'ouvre parce que tu veux rajouter des trucs, sinon tu fais valider. Ok. Donc c'est ta citation de tout à l'heure. Voilà. Il t'a créé ta citation. Il t'a rajouté ta citation dans les citations de l'individu, par exemple. Okay. Par exemple, c'est une façon de faire. Ensuite, en fait, tu fais comme tu veux. Alors, du coup, on va lui créer un événement de naissance. Donc là, bah, pareil, tu fais un plus. C'est marrant, là, il m'ouvre les fenêtres dans l'autre écran. Il va retenir où c'est que tu les ouvres. Donc, maintenant que tu les as mis là, il ouvrira là, à la taille que tu les as laissées. Parfait. Alors, rôle, c'est quoi ça? Alors, on verra après. Ouais, bah, vas-y, rentre dedans si tu veux. Voilà, tu as le rôle de donc alors tu referme deux secondes, referme ton ce truc là deux secondes. Donc là c'est pareil, tu vois que ton événement de naissance, il est en deux parties. D'accord, ouais. OK, il y a la partie haute là, information sur la référence, information partagée. Un peu comme on avait tout à l'heure pour la référence de la source au dépôt des AD62. On avait la partie haute qui était faite pour indiquer la cote de la source et la partie basse pour dire que c'était dans le dépôt des archives départementales du 62. Mmh. Et ben là c'est pareil, en bas tu as ton objet principal, l'événement. Ouais. OK. Et en haut tu as la référence qui est entre cet objet et l'autre objet à laquelle tu l'ajoutes. En l'occurrence, là, c'est l'individu. D'accord. Donc, du coup, tu es en train de dire que la naissance, l'événement de naissance, là,
Il concerne l'individu en termes de rôle principal, c'est donc c'est son C'est sa événement de naissance, naissance à c'est lui. sa Enfin, naissance à son lui. événement à lui. Ah, Ok. voilà. Donc si tu regardes maintenant dans la flèche, tu vas trouver d'autres rôles. Ouais. Je ne sais pas quoi, Donc voilà, sur la famille. le déclarant pour le père, par exemple, généralement. L'officiant, bah, si tu veux le mettre, c'est le maire, je ne sais pas trop qui, les témoins qui étaient là dans l'acte, etc. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que cet événement que tu vas créer là, de naissance, tu vas le créer pour lui, puis ensuite, tu vas pouvoir le glisser dans ton presse-papier, une fois qu'il va être créé, et pouvoir le partager avec le père, les deux témoins, le maire, Ah que oui, tout. il n'y aura qu'à changer le Et il n'y rôle aura à qu'à changer chacun. le rôle à chacun. Et du coup, dans les références en bas dans les informations partagées, dans les références, tu verras ta générale, citation, attribut, etc., les différentes colonnes. Dans les références, tu verras que bah, pour l'instant, il n'y a personne, il n'existe pas cet événement, on ne l'a pas encore à valider. Mais une fois qu'on l'aura créé, il appartiendra à Tal Kléber. Et puis quand on l'aura partagé, il appartiendra à Tal Kléber, à son père, à ses deux témoins, etc., etc. Ok, d'accord. Donc là, bah, vas-y, rentre une date là-dedans. Bon, tant qu'à faire, on va mettre la vraie, hein. Donc, hop, oups, Ok. voilà. Alors, tiens, on va faire alors, Heidi, il va te le créer tout seul, t'inquiète pas. Et le lieu, par contre, il faut que tu le crées, il ne va pas le deviner. Donc, tu fais un plus là. Alors, nom du lieu, bah, vas-y, rentre. Donc, le nom de la ville, j'imagine que c'est la même. Ah non, c'est pas Ben la non, même. justement. C'est quoi ça, Escoé, par rapport à je ne sais plus ce que tu avais. Escoé, c'est quoi? C'est un hameau, c'est quoi? Non, c'est une autre ville en fait. Il est décédé à l'individu là, il est décédé à Coulogne. Ouais. Et il est né là à Ah, d'accord. Écueil. Donc, tu as trouvé dans ton acte de décès le fait qu'il était né à cet endroit-là, c'est ça? J'ai découvert. Je me rappelle plus beaucoup comment j'ai trouvé d'ailleurs. D'accord. Je pense que. Bah non, en fait, c'est mon grand-père. Donc, en gros, c'est juste que Tu le savais, comme quoi. il est décédé en 2021, et je savais pas d'ailleurs qu'il était né là-bas, mais D'accord. comme j'ai eu le document, l'acte de décès, ouais, c'était donc marqué dessus. Ok. Exact, comme tu as dit au début, en fait. Ok, donc du coup, bah, type, bah, tu vas mettre, je sais pas quoi, ville. Alors attends juste 30 secondes, je Ouais. vais éteindre un truc qui est encore allumé, je reviens tout Ouais, de suite. ça marche. C'est bon. Alors, donc tu as créé ta ville, mais par contre, ça ne dit pas où c'est. Donc, ce que tu vas faire, c'est tu vas rajouter en bas, dans la partie 2. Alors là, tu pourrais très bien coller, si tu allais sur Google Maps, par exemple, tu récupères les latitudes et les longitudes. Alors, par exemple, à Google Maps, il va te les donner les deux à la fois. Donc, plutôt que de les coller dans latitude ou longitude et puis de découper, tu peux le copier dans la grande barre au milieu, là. Ah oui, c'est Et puis il va les dispatcher automatiquement dans les deux autres au-dessus. D'accord. Bon, c'est sympa ça. Voilà. Alors, c'est partie 2, tu vas faire un plus là. Et puis là, bah, tu vas créer le département où il se trouve, cette ville. Ok. Et pourquoi il demande une date alors? Parce La date que de création? c'est la date à laquelle elle a. Alors, c'est la date à laquelle ces deux lieux ont été rattachés l'un à l'autre. Ça peut être si par exemple cette ville elle fait partie du département 62 là du c'est pas le Pas-de-Calais je pense 62 du Pas-de-Calais mais qu'avant elle était je sais pas en 1910 quand elle a été ou en 1800 1790 quand elle a été créée elle était dans le nord je sais même pas où c'est je sais pas si c'est possible et ben elle aurait pu par exemple faire partie du Pas-de-Calais depuis le 1er janvier 1900 donc après le 1er janvier 1900 et puis faire partie du nord avant le 1er
avant le 1er janvier 1900. Donc, D'accord. tu aurais deux parties d'eux. Ok. Oui, bah ça c'est bien, ça me servira un peu plus tard du côté des branches maternelles, là où en fait Calais, la ville de Calais en fait avant était divisée en deux, ces deux villes avant. Il y avait Saint-Pierre-les-Calais et Calais. Et ben Et l'une voilà, a englobé l'autre, donc ça servira à voilà, ce moment-là. exactement. Donc là, ben, je sais pas, tu m'avais pas de Calais ou je sais pas quoi. Donc là, du coup, ça va être un département. Et puis partie 2, ben, tu vas mettre France dans cet enregistrement Ah oui, maintenant. d'accord. Partie 2, tu vas mettre France. Puis là, c'est un pays. Ok. Ah oui, il faut vraiment tout configurer à la main, quoi. C'est rigolo. Alors, on peut faire autrement, mais autant le faire à la main pour l'instant. Ouais, pour bien comprendre, c'est vrai que c'est mieux de. Voilà, tu valides, du coup, voilà, c'est, t'as ton département qui est Voilà. englobé dans la France. Tu fais valider. Et t'as ta ville Ça, c'est la ville. qui est englobée dans le Pas-de-Calais. Ok, parfait. Et donc, du coup, là, on va revenir à ton enregistrement et t'as tout ton ensemble qui s'affiche. Ok, pas de calibre, c'est parfait. Donc là, tu es dans ta citation de naissance, tu vas glisser ton acte de naissance dans les citations de cet acte, de cet événement, Hop. histoire de le sourcer, quoi. Ok. Vois, c'est pour ça que je te dis de créer la citation d'abord, c'est une habitude, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. Maintenant, ça marche dans l'autre sens, hein. Tu crées le bonhomme, l'acte de naissance, et tu glissais la citation après, ça marchait aussi, quoi. Ça fait pareil, Donc là, tu valides l'enregistrement. Et donc, bah, tu peux valider la personne. Donc, Attends, je reprends pardon. Oui. Alors là, il va retenir que toutes les Kléber, Alizée et Adolphe sont des gens masculins. Si tu recrées un autre Kléber, Alizée ou Adolphe, il va te le mettre masculin par défaut. Ok, bah Il oui, ne de toute te le façon. redemandera plus. En fait, Ok. là, tu l'as changé manuellement. Si tu avais validé, je sais pas si tu as eu un pop-up qui s'est ouvert quelque part. Quand tu avais essayé de valider avant de changer en masculin. Tiens, mais lui, en inconnu. Inconnu, validé. Il va te demander si c'est masculin ou féminin. Ah oui, voilà. OK, donc là, tu lui mets masculin. Et si jamais tu recrées un Kléber, Élisée ou un Adolphe, il va d'office te le dire que Le mettre c'est, en. il va te le mettre en masculin d'office parce qu'il va reconnaître que c'est un masculin. D'accord. Donc là, tu as créé ta première personne, tu vois son lieu de naissance, tu vois qu'il est masculin, tu vois, etc., etc. OK? Ce que je te propose, c'est qu'on va aller dans la vue relation maintenant. Tiens, d'ailleurs, pourquoi je vois rien là-dedans? N'est pas là. Ça aussi, on n'est Retourne sur pas un là. individu, là. T'es sur rien. Ah oui, t'es sur rien. Ok, clique sur lui. Ah oui, Voilà, d'accord, il doit être sélectionné. va dans la relation. Voilà. Ah, Ok. d'accord. Et donc là, alors tu pourrais aller par. Alors, tu pourrais aller par les familles, créer une nouvelle famille et puis l'ajouter dedans. Ou tu peux aller là. C'est pas un hasard, c'est juste après. Dans l'ordre d'affichage, la revue relation est juste après les individus. C'est que c'est une des vues les plus utilisées, en fait. Tu utilises plus D'accord. relation que famille, quoi, en fait. Et donc, bah là, du coup, là, tu peux lui créer. Alors, en haut, là, tu peux lui créer ses parents. Voilà, ses parents. Tu peux sélectionner une famille si elle existe dans le deuxième bouton. Et puis là, tu peux le créer comme en l'occurrence, le père d'une nouvelle famille. D'accord. Okay. Je qui presse papier, ça c'est toujours pour configurer. Et puis là, c'est une autre façon, une autre vue, pareil. Voilà. D'accord. Et ben Donc je là, peux bah, tu demander veux. faire ses parents du coup. Ouais, alors soit tu cliques là, soit tu cliques sur le plus dans parents, c'est pareil. Oui, ça revient même, j'imagine. Ok. Alors, Marie. Ah oui, d'accord, il faut faire plus tout le temps. Ok, et ben c'est parti. Que je dise pas de bêtises.
Hop. Hop. Et ben lui, s'appelle comme son fils, plutôt Tu l'inverse. vois, il a trouvé masculin. Ah bah non, bah, de manière, on est en train de rentrer un homme, donc il l'a trouvé forcément Ah oui, peut-être masculin. qu'il l'avait mis direct. Non, mais oui, il l'avait mis direct. Ok. Alors, Comment? tiens, enlève le ton Kléber là de Usuel. Si tu double-cliques sur Kléber de l'autre côté, là, Ici? ouais, voilà, tu peux le trimballer directement dans l'autre champ. Oui, voilà. Je peux le glisser en fait, c'est Ouais, ça? tu peux le glisser. Ah oui, ah c'est pas mal ça. Si tu retournes sur Kléber là-haut, d'Usuel, là. Vas-y, enlève-le. Si tu retournes sur un des prénoms là, et tu fais shift glisser, tu vois, c'est pas un petit plus, mais c'est une flèche. En fait, il va te déplacer le truc de. Donc ça va te le mettre en rouge, Ah, ok, parce d'accord. qu'il va plus le trouver. Mais ah, maintenant, il l'a Non, remis, tiens, bon. c'est Ok. moi qui viens de le remettre, j'ai fait un Ah, contrôle Z. ok. Et donc voilà, ça te permet soit de déplacer, soit de copier. Allez, du coup, là, il y a encore les deux, donc forcément, hop, Voilà. voilà. Donc, tout ça, il va le mettre automatiquement, ok. Voilà. Donc là, enfin, Bon, tout à la ça. limite, tu pourrais rentrer des tas d'avènements, tu pourrais rentrer une citation, tu pourrais faire un tas de trucs. Je Ouais, propose voilà. de valider. Juste, on valide. Ouais, donc on Voilà, valide. on va créer la On mer. crée sa mère. Alors, sa mère, elle s'appelait comment, ce monsieur? Alors. Donc, elle avait. Hop. Ah oui, ça c'est un truc que je fais tout le temps, c'est je fous des majuscules sans le faire exprès. J'imagine que quand je vais faire des recherches, après Alors, il fait. non, il s'en fiche un peu. Il se moque Ok, bon, tant mieux. ça dépend pourquoi, mais pour les noms et les prénoms, il s'en fiche. Ok, tant mieux. Dans les outils, tu as des outils pour venir remettre tout En en minuscule. minuscule avec simplement l'initiale en majuscule. Ok, bah parfait. Comme ça, tu peux faire des bêtises, mais tu peux les corriger Ok. automatiquement. Ok, si tu fais On valider. valide. Alors, double-clic sur l'enfant. Tu vois que ça t'ouvre pas sa fenêtre, ça t'ouvre une édite, l'éditeur de De l'enfant de cette référence. famille. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de venir glisser l'acte de naissance dans ce truc-là, qui vient dire que d'où voilà, donc valide, qui vient dire donc en l'occurrence la relation avec le père, c'est la naissance et la mère aussi, et c'est ton acte d'état civil qui le prouve. Il fait D'accord, partie de ok. cette famille pour ça. Si dans les relations là, tu pourras utiliser autre chose, je sais pas quoi, il a été adopté, bah, du coup tu viens glisser un contrat d'adoption ou etc etc. Tu peux changer les trucs. D'accord. Alors tous ces trucs avec des flèches comme ça, là, si tu prends naissance, là, tu sélectionnes naissance. Non, mais sélectionne le mot naissance avec ta flèche. Comment Non, ça? ouais, dans le truc, là, voilà, Ah oui, tu, d'accord. Si voilà, tu veux que je prenne ici. tu double-cliques sur naissance, là, et tu mets, je sais pas quoi, adopter. Ah, bah, il l'avait déjà. Adoption. Ah, bah, c'est adoption, alors, du coup. Ouais, c'est Okay. adoption. Voilà. Bah, déjà, il va te sélectionner adoption parce que ça existe. Maintenant, si tu viens mettre, je sais pas quoi, reconnu, il n'y avait pas dans la liste, voilà, il va te créer un mot-clé reconnu. Alors, quand j'écris, il me fait des petits bruits d'erreur. Donc là, si je valide, ça ne marche pas. Non, bah, valide ton enregistrement. Ah oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Il le met. Et si je valide. Voilà, du coup, tu as reconnu par le père.
et la naissance par la mère. Dans la colonne, tu vois. D'accord, ouais. Donc là, il faut changer, mais voilà. OK. OK, ça marche. Bah, tu fais valider, et puis du coup, ça va te créer la famille. OK. Comme tu lui as pas mis de nom, du coup, à la mère, tu peux, tiens, tu peux Oui. prendre le. Ouais, tu... Alors, si tu cliques dessus, ça la met en principale, ça va la mettre en haut. Tu vois, ça la met. D'accord. Voilà. Mais dans tous les cas, même si elle avait été. Tu as des petits boutons pour les modifier. Là, si tu cliques là-dessus, ça va l'ouvrir. OK. Ce que tu as oublié, c'est ton nom de famille. Ouais. Ah oui, mais c'est là. C'est bizarre. J'arrive jamais à le voir. À quel endroit Hop. Et du coup, Voilà. elle est Du coup, maintenant. on retourne sur le fils comme on était. Exactement. Alors, si tu veux, tu peux aller dans graphique, par exemple, en dessous, là, et tu vas le voir sous forme graphique, la même chose. Voilà. D'accord. Et donc, tu as différents types de graphiques, en roue, en tout ce qu'on veut, là-dessus. Ah oui, d'accord. Ces trucs-là. Donc, ensuite, tu peux changer les couleurs dans les préférences, et machin. Ah oui, carrément, comme ça, allez donc. Et ça, là, tu peux. Bon, celui-là, j'utilise souvent celui-là, là, le double, dans les doubles sens. Celui où tu disais carrément, là. Ça doit être celui d'avant. Attends, Ouais, c'est ici? celui-là, là. Ouais. Et là, tu peux avoir jusqu'à 1000 personnes dans la fenêtre, là, avec toutes les relations entre elles. Ah oui, et donc ça s'affiche Voilà. selon le nombre, ça met la taille de. Voilà, ça te met tout ton arbre d'un coup, quoi. Les frères, les D'accord. sœurs, ça te met tout le monde. OK. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les petits-enfants, ça monte et ça descend jusqu'à 1000 personnes dans la fenêtre, quoi. OK, mais bon, ça doit être Ça fait un peu, minuscule, mais. ça fait un peu. Bah ensuite, vas-y, bouge ta roulette dans le truc, ça grossit ou ça dé, voilà. Ah oui, d'accord. OK. Et c'est pas mal. Et ça, c'est quoi, PDE? J'ai jamais vu ce truc. Eh ben, c'est toutes les relations. Ben, comme il y a personne là, mais normalement, c'est ces relations de famille à côté, quoi. Ah, Tes d'accord. oncles, machin, etc., quoi. Donc tu vas avoir Ok. Bon, ça, je différents regarderai trucs, de toute quoi. façon. Voilà. Là, j'ai cliqué sur un truc. Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, ben non, ben, Kill shot. Je ne sais pas du tout ce que c'est. là, tu as toute la base de données et puis les relations entre les deux par où ça arrive, quoi, en fait. Donc ça Ok. traverse, c'est une vue traversante de ton arbre, quoi. D'accord. Bon, Alors, enfin. nous, on était. Bah, écoute, je vais laisser celle-là qui est très bien pour l'instant. Voilà. Et j'irai farfouiller là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors si tu vas dans. Alors vas-y, on va aller dans famille, tu vas voir que tu as une famille. La F000, là, dans lequel il y a le père et la mère. On ne sait pas s'ils sont mariés ou pas pour l'instant. Voilà. Donc, si tu avais un mariage, etc., tu pourrais l'indiquer dans la famille aussi. Si tu double-cliques dessus, là, hop, tu vois, pareil, tu as les événements, tu peux créer ton mariage là-dedans, etc., etc. Et attends, parce que là, du coup, j'ai ouvert. Ah oui, d'accord, j'ai ouvert le truc de famille. Et bon, si Voilà. je veux créer le mariage Ouais, tu le crées du là-dedans. père et de la mère, là, je vais là. Voilà. Événement. Par défaut, ça va te créer un événement de mariage, à mon avis. Voilà. Mariage. Allez, on va le faire en vitesse pour voir si j'ai. Hop. Boum, de lieu. Bah tiens, c'est intéressant. C'est le même lieu ou pas? Eh ben non. Eh ben vas-y, alors crée-le. Alors, ils se sont mariés. Sur qu'un. C'est une ville. Est-ce que si j'écris. Ah non, ça fait pas ça. Hein. Si j'écris la première lettre, il ne me met pas sur le Ici, tu le mot. mets, si. Ah ouais? Ouais. Ah, Ah non, attends. pas comme ça. En fait, tu doubles. Quand il y avait un connu là, bah, vas-y, double-clic sur Ah oui, ville si là. je mets si je Double-clic mets là-dessus. ça. Double-clic là-dessus. Ouais, voilà. Ah ok, d'accord. Je vois. Et du coup, ça fait partie de quoi? Du Pas-de-Calais?
Oui, également. Ouais. Et ben, du coup, tu peux cliquer non pas sur le plus, mais sur la sélection, là, la petite main, là. Partie 2, petite main, là. Et c'est. Attends, partie 2, ouais, ça, Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors là, ça va t'afficher France et Pas-de-Calais, pour le coup. Donc, du coup, je prends Pas-de-Calais, j'imagine. Voilà, exactement. Il me rouvre ça. Voilà, parce que tu pourrais très bien indiquer une date, là aussi. En fait, Ah il oui. t'ouvre ça parce que tu peux indiquer quelque chose. Ok. Donc, tu Donc là, valides. ça change rien. On valide. Allez. Sûr que dans le Pas-de-Calais. Pom, pom, pom. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, tout ce qui est code postaux, etc. C'est pareil. C'est à moi de le Ouais, mettre c'est dans dans le vrai. alors ouais, c'est théoriquement ouais, mais laisse-le comme ça. Vas-y, valide. D'accord. Bon, ok, on va laisser comme ça. Normalement, il faut mettre une citation, il faut mettre tout un temps au hasard, ok. On va juste valider. Normalement, il doit Voilà. être là-bas. Alors là, le fait que tu mettes l'acte de mariage, c'est pas pour autant que ça va te changer le type de famille. Donc dans le type de famille, là, tu vas être marié maintenant, du coup. Attends, c'est à quel endroit Au-dessus, déjà? là, en face de l'ID, tu as le type inconnu. Ah oui. Marié, non Ah marié. d'accord, ok. OK. Ok, Voilà. donc la date de mariage, ok, ça OK. marche. Ok. Alors, les graphiques, on a vu. Va dans événements, tu as deux événements, tu as la naissance et le mariage, du coup, là. Ok, tu peux très. Alors on les voit pas. On les voit pas. Alors c'est là par exemple où tes dates là elles sont. Tu peux chercher par date, tu peux dans tes filtres, etc. Tu peux chercher par tout un tas de trucs. La description, le. Ben là tu fais. Tiens, dans le filtre sur la droite, tu vas faire un filtre type événement de vie mariage ou famille mariage, je sais plus ce que c'est. On souhaite famille mariage. Hop. Vas-y, trouver. Il va te montrer que celui-là. Ok. Si tu fais effacer et trouver, bah, tu as hâte de montrer les deux. Trouver encore. Ah, il faut revalider quand Ouais. on l'utilise. D'accord. Et te remonte les deux. Ok. Donc là, si tu marquais. Alors, bah vas-y, tiens, mets sûr que dans le lieu, là, par exemple. Pareil, il va te montrer que le mariage, vas-y, fais trouver. Ok. Ok. T'enlèves ton sûr. Non, ouais, va dans sûr que tu mets pas de Calais à la place. Fais trouver. Et là, va te montrer les deux. D'accord. Ok. Ok, donc il y a un petit outil de, enfin, Ouais, là de filtre comme c'est ça. un petit tout petit, mais il y en a un gros en fait dans le truc avec le petit bouton à côté là. Dans le petit Ok. bouton qui est en dessous là, filtre aucun, le bouton qui est sur le côté. Bah, vas-y, rentre dedans, tu vas bien voir. Alors attends, parce que je l'ai pas. Ah, dans Donc ça là? le dernier champ en bas, non, dans les filtres, dans le grand Ah oui, d'accord, filtre, là-dedans, aucun carrément. là, ouais, il n'y en a pas. Donc à côté, tu as un petit bouton Ouais. pour en créer. Donc, je sais pas quoi, vas-y, pas de Calais, vas-y, mais pas de Calais, par exemple, on va chercher le pas de Calais. Tu fais un plus pour les règles. Alors, filtre. Alors, déjà, tu vois que tu as des filtres pour la citation et la source, là, au-dessus. Donc, si tu peux ouvrir, ça va te dire ce qu'il y a comme filtre. Tiens, si tu peux agrandir un peu tes fenêtres dans tous les sens, là. Voilà. Donc, du coup, tu peux sélectionner les événements qui ont une certaine citation, qui ont un nombre de sources, qui ont un site. Qui ont un certain nombre de sources. Et puis, le dernier, là, qui correspond au filtre source. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux créer un filtre dans les sources. Par exemple, toutes les sources qui sont aux archives du Pas-de-Calais. Et Ouais. chercher tous tes événements qui ont une source dans les archives du Pas-de-Calais. D'accord.
Okay. C'est quand tu as un truc qui est marqué événement correspondant au filtre quelque chose, bah c'est que tu peux créer dans le quelque chose en question, ici c'est les sources, tu peux te créer un filtre dans les sources, disons je veux rechercher toutes les sources qui sont aux archives du Pas-de-Calais, et dans ce cas-là, ça va te ramener tous les événements qui correspondent qui ont une citation, qui sont la citation d'une source dans les archives du Pas-de-Calais. Ok. Et puis Ça ensuite, permet voilà, tu peux imbriquer un des tas de filtre. filtres dans tous les sens, comme ça. Ouais, voilà. Exact. Et du coup, à aller chercher des choses précises. Ok. Si tu vas dans si tu ouvres les filtres généraux, maintenant on va chercher juste le type, je ne sais pas quoi, ou avec un lieu particulier. Alors tu vois là, par exemple, tu as un événement correspondant au filtre lieu. Donc ça supposerait qu'on ait créé un filtre lieu, par exemple, sur le Pas-de-Calais. Là, on ne l'a pas créé, mais voilà, si tu cliques dessus, il te propose une fenêtre, nom du filtre lieu. Donc, il va chercher un filtre dans la vue lieu. Mais comme on n'en a pas créé, il n'y en a pas. Ouais. Okay. Par contre, on doit pouvoir, si tu fais événement avec la donnée, là, peut-être, là au-dessus, dans les deux, dans les trois, quatre premiers, là, événement avec la donnée. C'est où ça, un truc? Ouais, juste au-dessus, là, juste au-dessus. D'un type particulier ou avec la donnée juste avant. Ah oui, pardon. Tu vois, tu as le lieu. Tu peux mettre Pas-de-Calais là, par exemple. Voilà. Là, c'est tous les champs, c'est tous les mêmes genres de champs que tu avais tout à l'heure. Donc, on va faire la même chose. Mais vas-y, fais valider. Voilà, tu fais valider encore. Alors, fais effacer, histoire que ton lieu, ou vire-le, celui-là. Voilà, si tu fais trouver, bah, ça va te trouver la même chose par nature. Logique. Ok, tu fais effacer encore. Fais effacer. Reclique sur ton petit bouton de filtre. Fais mariage, par exemple. Ok, plus. Tu retournes dans le même truc, filtre généraux, je sais plus quoi, là, avec un type particulier. Fais-le avec le type, fais-le, ouais, type parti, non, ah oui, Un avec type la, parti. non, c'était, bah oui, type C'était parti, celui-là, on avait fait ouais, c'est celui-ci. pareil, ça change rien, t'as des trucs redondants, t'as des redondances des fois, Ah oui, et donc là, tu d'accord. peux choisir, pareil, tu vas choisir ce que tu veux, mariage, ok, vas-y, valider, valider, donc là, si tu fais trouver, Il y a moyen. ça va trouver le mariage, effacer. Donc là, retourne dans ton éditeur de filtre là. Voilà. Et puis tu fais mariage dans le Pas-de-Calais, le nom. Ok. Alors tu fais un plus. Filtres généraux. Et alors, pourquoi pourquoi il fait ça? Ouais, il est un peu Alors, têtu. donc à peu près aux deux tiers de la fenêtre, tu as un truc qui s'appelle événement correspondant au filtre. Événement correspondant au filtre. Voilà. Donc vas-y, fais ce mariage déjà. Okay, alors tu peux choisir, regarde, tu vas voir, vas-y, regarde dedans. Comme on est dans les filtres, on a le mariage et pas de calais. On va mettre le mariage déjà, validé. Et là, je lui rajoute une règle, c'est ça? Refais une règle. Ok, je comprends le truc. Il est ici, tac, et Donc je lui là, tu mets fais pas de pas de calais. calais, tu fais valider. Valide. Tu fais trouver, il va te trouver que le mariage, de manière, il n'y a que celui-là. Donc. Alors, Oui. si tu retournes dans ton. Édite-le ton filtre, là, clique sur le bouton. Là, en bas, tu as toutes les règles, tu vois, les options, tu as toutes les règles doivent correspondre. Si tu cliques dessus, par exemple, fais au moins une règle doivent correspondre. Donc là, il va te chercher. Soit les mariages, soit les lieux dans le Pas-de-Calais. Donc en fait, il va trouver le mariage et la naissance, là, par nature. D'accord, il doit trouver l'autre. En effet. OK? Ok. Ah oui, du coup, en fait, tu configures ton filtre. C'est juste que ce petit outil, c'est un aperçu du. C'est un filtre rapide, C'est quoi, un filtre celui-là. rapide et puis l'autre, tu as les filtres complexes. Voilà. Ouais. Ok, mais c'est bien ça.
Bon, là, on peut faire effacer. Alors, si on va, on va aller dans les lieux maintenant. Hop. Vas-y, alors, vas-y, descends, ouvre la France, par exemple. Tu vois, t'as tes deux lieux, là. Alors, si on avait, alors tu vois, t'as dans tes filtres, t'as dans je sais pas quoi, 5 km de tel lieu, là, par exemple. Si on avait les coordonnées Oui, genre longitude et tout, là, il peut longitude, les trouver. il peut le trouver dans un rayon de 5 km, 10 km, 100 km, etc. Par exemple. Ok. Ah oui, bah c'est pas mal ça. Ouais. C'est pareil, tu l'as, t'as tous ces genres de trucs et d'autres dans les filtres à disposition. Sans latitude. Et donc après, c'est pareil, quoi. On peut configurer Exactement. de la Et là, manière. je pense que tu dois pouvoir trouver le premier lieu avec des événements correspondant au filtre événement. Vas-y, fais mariage, par exemple. Là, prends celui-là. Du coup, il va te filtrer que sur le. Je ne sais plus lequel des deux, là, sur Surc, je crois. Il faut Pourquoi lui je vois mettre, pas parce le... que tu ne lui as pas mis de nom. Ah oui. Et donc là, je mets... Tu mets ce que tu veux. Ouais. Mariage à Surc. Mariage, non, Lieu de les mariage, exactement. lieux de mariage, ouais, c'est ça, lieu de mariage. Voilà. Qu'est-ce que tu fais trouver? Il va te trouver sur. Ok. Ah, c'est bien ça. Hein. C'est pas mal du tout. Donc du coup, c'est pareil, tu peux combiner, tu veux chercher, ils se sont mariés là, mais je les ai pas trouvés leur, je sais pas quoi, leur naissance, ou je connais pas leur lieu d'où ils venaient. Je vais faire un filtre à 10 km autour, c'est quoi les villes autour de ce truc-là. Je vais aller chercher, ce qui me permet d'aller chercher dans les registres des 5 ou 6 bleds autour de Surc, etc., etc., par exemple. Ouais, je vois bien l'utilisation qu'on peut avoir. Hein, c'est Alors, vraiment pas mal ça. si tu vas dans les flèches, là, dans la petite flèche à côté de filtre, là-haut, là, pour rajouter des grands plaids, là. Attends, je vais aller dans les lieux aussi, là, histoire de voir ce que j'ai. Tu vas avoir un truc nettoyé. Modification, nettoyage des lieux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un nettoyage des lieux, voilà. Nettoyage des lieux. Ouais, voilà. Ouais. Alors, tiens, tu veux fermer là ce presse-papier là. On nous embête là. Alors, retourne dans tes filtres là quand même. On va défiltrer tout ce bazar là, ce qu'on a filtré, histoire d'y voir quelque chose. Effacer, trouver. Voilà. Hop, sélectionne Surc. Sélectionne Surc. Voilà, et tu vas dans nettoyage des lieux. Alors, déjà, il te met sur Pas-de-Calais. Tu dis en bas, là, fais-lui trouver. Il va essayer de te le trouver dans les bases de données sur le net. Ah, t'as pas d'identifiant GeoNames. Ok. Alors, attends. C'est quoi? Habité à Ouais, il faut être inscrit sur GeoNet, sur un site gratuit, mais pas avoir un identifiant. Du coup, en fait, ça te permet d'aller récupérer les coordonnées, le code de la ville, etc., etc., automatiquement. Si Ah, ok. tu colles Surc tout court, par exemple, ça va te créer Surc Pas-de-Calais France. Tu vas sur Pas-de-Calais, du coup, ça va te créer, oui, c'est ça, ça va te créer Surc Pas-de-Calais France. Tu vas sur Pas-de-Calais, du coup, ça va te la rattacher à France. Tu vas sur etc. quoi. Ça va t'enrichir avec les informations qu'il aura trouvées. D'accord, ouais, bah c'est pas mal ça. Je vais Ouais, voir exactement. vite fait. C'est quoi? C'est long ça, de se créer un compte là-dessus, non? Non, Ça je va pense vite. pas, non, ça va être. Je me souviens plus, C'est mais. Il y a un login. login password, quoi. Attends, on clique. Créer un nouveau compte.
Tac. Hop là. Où est-ce qu'on met ce truc-là? Clac, créer un compte. Alors, il a dû m'envoyer un mail, j'imagine, pour valider. Comme ils font tous. Bah non, tu vois, c'est bizarre. T'as C'est rien fou, fait. hein. On va peut-être dans les spams, on va voir ça. Ah oui, on l'a fait. Clac, 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 hop, welcome to Genève, un compte, nanana, parfait. Alors, bon voilà, je suis Ok, t'es à connecté. jour. Ok, vas-y, fais trouver encore de nouveau là. Il faut peut-être lui Alors, dire c'est par dans alors les paramètres. non, c'est dans, il t'a dit de le chercher dans le bouton par le bouton aide en bas là. On a vu derrière une fenêtre dans l'aide. Ouais, C'est où ça alors? ouais. Qu'est-ce qu'il Non, dit donc là? c'est Ah non, pas. ça renvoie dans quoi? Là, il m'ouvre le wiki Alors attends. de Gramps. Parce que j'ai vu Attends, si je refais que. trouver. Alors. Parce que j'ai vu un truc bizarre, j'ai détaché la fenêtre là. C'est quoi le deuxième aide là? Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui? The first time you attempt to search ok. Avec request from grand seule machine qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, c'est quoi ça? Blablabla. Free web service. Ah, il faudra que tu regardes l'aide du grand plat là. Il dit qu'il faut the account is not enabled to use the free service. Click. T'as un truc free web service, je sais pas trop quoi là. Il faut que tu rentres. Si tu regardes dans l'aide là, Ouais. non, l'aide de ton remplette là, nettoyage des Ah, dans vieux. l'aide Ouais, ici. ouais, ouais. Ok, ouais, donc il m'ouvre ça, hein, clac. Voilà, ouais, descend un peu là. Alors, il te dit qu'il y a des prérequis qui est de se connecter et si un clic sur l'image là. Celle-ci Ouais, ou celle d'en non, dessous? celle-ci. Tu vois, il te dit que bon, tu faut que tu t'inscrives et qu'en plus tu dois enabler, je sais pas trop quoi là. Ah oui, d'accord. Ok. 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 Juste un petit clic en plus. Et là, paf, Voilà. créer. Et donc, du coup, maintenant que tu es là, tu vas là où tu as marqué sur Pas-de-Calais France, là, dans tes voyages des lieux. À côté, là, tu as l'espèce de logo, là. Tu cliques là-dessus. Tu vas pouvoir mettre ton ID Géonèmes. Ah oui, alors ça par contre. Hop. Alors mon ID c'est quoi? Ah c'est juste Ça le va être ton pseudo login, quoi, je pense, ouais, ton Ouais, pseudo, ouais. j'imagine, ouais. Hop. Langue en conserver. Non. Ok, on est ouais, d'accord. Vas-y, fais trouver maintenant, ça va marcher. Voilà, Voilà. il t'a trouvé le Parfait. truc. Donc, du coup, alors, il t'a trouvé deux. Je pense qu'il faut prendre le premier plutôt, voilà. Sur arrondissement Pas-de-Calais, sur arrondissement Saint-Omer. Bon, Voilà, écoute, ouais. bon, vas-y. Il fait sélectionner en bas, là.
Du coup, il te propose sa latitude, son type, sa longitude, Carte etc., postale, etc. compagnie. Voilà. Il te le propose même en arabe, en tout ce que tu veux. Parfait. Si tu valides, voilà. Du coup, il t'a rajouté son code postal. Si tu double-cliques sur la sur le cercle, non, dans la fenêtre principale, là. Si tu double-cliques dessus, du coup, tu as sa longitude, sa latitude, machin, etc. D'accord. Et Bon, du c'est coup, pas mal tout ça. tu vois, tu avais des IDs normaux, P00, P01. Et celui-là, il te l'a remplacé par son ID à lui, c'est un Geonems, là. Et il t'a collé une citation comme quoi ça vient de Geonems. Si tu vas dans. Ouais. Ah oui, d'accord, il met direct. Il te crée une citation comme quoi ça vient de Geonems, la page Tartempion de Geonems. Ok. Ah ben. Pas mal. Tac. Ça c'est sympa, hein, ce petit truc-là. Voilà, bah, tu peux faire la même chose pour écueil, là, par exemple. Hop. Hop, trouver écueil arrondissement de Saint-Omer. Bah oui, c'est pas là, c'est pareil. Sélectionner. Sélectionner. Boum, boum. Et après, j'ai fait quoi? Conserver? Conserver. Non, c'est pas conservé. Tu vas valider Ah qui mais non, il y a est validé qui est masqué. caché là-bas. Voilà. Parfait. Alors par contre, là, du coup, je trouve que c'est chiant, ça, c'est qu'il colle un code postal. Moi, je colle des codes INSEE, ils sont uniques. Là, tu vois, pour deux villes, tu as le même code. Tu as le même code Ah oui, postal. exact, ouais. Donc, moi, je lui fais mettre toutes les coordonnées, les machins, les lieux d'où il dépend, etc. Mais par contre, je me mets le code INSEE à la main et non pas le code postal. D'accord. Ouais, pour rechercher, c'est plus simple. Et voilà, t'as l'assurance d'avoir l'unicité, tandis que là, bah, tu ne l'as pas, quoi. Ok. Et ça, ouais, tu Et trouves ça, bah, ça ça, sur vient d'où le code? Wikipédia, voilà. Bon. Ok. Alors, tiens, je sais pas si on peut le faire, ça clique droit, là. Clique droit, non, il n'y a pas. Non, c'est quoi rechercher avec le service cartographique, là? Ça? Ouais, mais c'est. On peut pas paramétrer ce truc-là. Ouais, bah, du coup, si tu cliques là-dessus, si tu veux une Ouais, recherche, on voit ça. ça t'ouvre une page, je sais pas où, sur la. Quelque part sur la terre. OpenStreetMap. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi ça a sélectionné OpenStreetMap. Si on choisissait quelque chose comme Google, par exemple, je sais pas où c'est qu'on le trouve. Attends, je vais regarder un truc dans mon menu géographie, là, si c'est pas ça, des fois. Si c'est pas lui qui la prend par défaut. Ah non, je suis sur Google, là, non. Ben, genre, je sais pas d'où il sort OpenStreetMap et si on peut le changer quelque part. Ouais, bah au pire, Parce ça que je je sais que, chercherai. si c'était, par exemple, si tu avais le choix avec Google Maps, par exemple, sur Google Maps, tu as le code postal. Tu as le code INSEE. Qu'est-ce que j'utilise D'accord, là? putain, mais j'ai jamais vu Ah, je suis sur OpenStreet. OpenStreetMap. Attends, je vais prendre Google Street, par exemple. Et si je retourne dans mon lieu, il m'ouvre quoi là si je fais ça? Et tu le vois où le code Attends, d'INSEE? attends. Ah pardon, t'entends. Annonce, ah, maintenant. Ah non, ah oui, il y a le truc Wikipédia en dessous, pardon. Non, bon, bah, ouais, t'as l'info Wikipédia en bref, là, si tu veux que j'en puisse. Mais bon, tant pis. Et là, tu as ton code postal et ton code INSEE. Donc c'est ce que c'est le code commun en fait, c'est ça, le Ouais, code c'est ça, INSEE? ouais, exactement. D'accord. Du coup, là, est-ce qu'il m'envoie si je fais ça là? Non, bon. Ouais, donc Non, là, non, c'est pas je sais pas comment on change de truc. et ça. Et ça, en fait, tu t'es rajouté une colonne ici, c'est ça, pour mettre le code INSEE. Non, non, tu n'as qu'une seule case code. Et donc j'utilise le.
pas le code postal, j'utilise le code INSEE à la place. Ah oui, d'accord. C'est toi-même qui le mets à la main. Exactement. Et ça, par contre, il n'y a pas moyen d'en... d'éditer. Enfin, tu peux pas en faire une... Ouais, tu peux pas en faire une toile de commande. Non. Tu ne tu peux pas te rajouter des champs. Et pour l'instant, en attendant la version prochaine, la V5.2, pour l'instant, on ne peut pas stocker les deux codes. La prochaine, on pourra, mais pas celui-là, pas pour celle-là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là-dedans ? Alors, on vient de faire les lieux, les événements, on a vu, les sources, on a vu, les citations, bah, c'est pareil, que, c'est, pareil. C'est notre vue, dépôt, on l'a vu, médias, bah, ok, c'est pas... Alors, si tiens, va dans médias, ouvre-toi un explorateur Windows avec des photos dedans. Ah si, tiens, un truc important. Où est-ce que l'endroit où tu stockes tes photos, tes photos, tes médias au sens large de généalogie, est-ce que tu les stockes dans un seul endroit, dans un sous-répertoire d'un truc généalogie par exemple? Ouais, c'est ça. Et, okay. Et en plus, avant de commencer ça, j'étais en train de me poser la question parce que je me suis dit, il va sûrement devoir aller chercher tout ce que je vais lui fournir comme info si je veux mettre les médias justement pour valider en quelque sorte le truc. Il va devoir aller les chercher quelque part. Je me demandais, est-ce que ça doit être en local sur l'ordinateur sur lequel je travaille, ou est-ce que je peux utiliser un truc type Google Drive ou... que sais-je, les autres qui existent, quoi. Ensuite, Google Drive, tu peux le monter sur ton ordi aussi, quoi. Mais il va te prendre un lien local. Ouais. Et si tu lui colles un lien Internet, il va aller télécharger l'image. De façon à ce qu'elle soit locale. Et donc, je ne sais pas si tu as un répertoire que tu peux afficher à l'écran sans que ce soit... Okay. Alors, reste sur ton répertoire généalogie, là, tout en haut. Ouais. Reste dans la ligne généalogie, là. Reste sur la ligne où c'est marqué perso généalogie, là-haut, là, tout en haut. Ok, ouais. Attends, parce que du coup, c'est plutôt dans ce truc-là. Voilà. Okay. Prends ta ligne, là. Fais un CTRL-C de ce truc-là. Ok. Voilà, et puis on va retourner dans les... Alors, où est-ce que c'est, ça ? Je l'utilise tellement peu. Dans l'édition préférence, je pense. Alors, voilà, chemin de base. En dessous, le nombre de génération 15, là, tu as un chemin de base pour les médias, relatif pour les médias. Ah oui. Colle ça là-dedans. Hop. Voilà, et donc ça veut dire que tout est média, il sait qu'il va les trouver là-dedans et il ne mettra pas toute cette partie-là dans le chemin qu'il va te montrer sur le truc. D'accord. Ce qui permet de les rendre. Si tu déplaces généalogie, arbre sur un disque D, par exemple, pour lui, tu auras juste à changer cette ligne-là et pas tous les médias qui seront stockés. Oui, oui. Ouais. Ok. Ah, c'est mieux. Voilà, exactement. Donc, du coup, tu retournes sur ton répertoire. Alors, je prends, tu vas où tu veux. Bah, je ne sais pas, on va le prendre. N'importe qui. Tant qu'à faire, on va aller prendre lui, voilà. Je crois que je l'ai. Ah non, on va plutôt aller prendre son père, je crois que c'est. Naissance. Voilà. C'est un PDF. Ouais. Alors, ok, bon, on verra pas. Il affiche pas quand c'est en PDF, c'est ça ? Dans Gramps, non, il n'affiche pas en PDF. Ensuite, tu peux l'ouvrir depuis Gramps dans ton lecteur PDF, mais du coup, tu verras pas. Si tu veux, on peut faire un test avec un. Une photo, une image, ouais. Ouais, ouais, c'est bah, ça. Alors, je crois que j'ai un truc. On s'en fout, on va mettre Blake, hein, là, une carte postale. Réduis un peu ta fenêtre, histoire qu'on voit celle de Gramps en même temps, là. Où est-ce qu'on est, là ? Voilà, super. Dans le média. Ok. Tu prends ce truc-là, là, et puis tu le glisses dans Gramps.
Ok, dans cette zone-là, quoi, la zone Ouais, principale. exactement. Hop. Et Voilà. voilà. Puis, Donc tu vois bon, ton chemin là, il t'a mis le chemin à partir du truc du répertoire du dessus, mais pas il t'a pas mis tout le chemin, il t'a mis juste la partie d'accord, ouais. relative, voilà. Donc si tu double-cliques là-dessus, tu la vois en petit. Ok. Voilà. Alors c'est pareil, tu peux prendre ton presse-papier par exemple, la coller dedans. Si tu veux. Allez, donc Ouais. je fais comme ça. Hop. Voilà. Puis tu retournes dans le lieu, tu vas pouvoir la mettre dans un lieu, par exemple. Même si ce n'est pas le bon, c'est pas grave. Ouais, je Ouais. peux pas l'enlever. On va être à l'écueil. Hop. Et du coup, là, je lui mets dans galerie alors du Non, lieu. tu ouvres ton lieu. Là, les galeries, ça te montre les. En bas, là, ça te montre ce qu'il y a dans ce lieu-là. Donc, Ok. par nature, il Ah n'y oui, a donc du coup, rien. il faut d'abord aller lui dire qu'on. Voilà. Donc du coup, là, tu peux glisser ton média dans la galerie. Ok. Oula. Ah oui, d'accord. Non, j'ai fait le. Il faut aller là. Puis, galerie. Tu l'as Non, pas il vu veut pas. parce que tu l'as glissé sur le titre. Voilà. Ah, Donc si d'accord. tu double-cliques sur ton média, même principe, vas-y. T'as la partie haute qui est tout le bazar, et puis tu as la partie basse qui est fermée là pour le coup, hein. Quel média lui-même. Là, t'as la référence entre le média et le lieu en haut, et puis t'as le média en bas. Et donc là, en haut, referme ton. C'est plus pratique, c'est pour ça que c'est assez fermé. Referme ta ton informa non pas la l'information partagée. Par exemple, tu vois les trucs bleus qui sont autour là? Ouais. Là, tu peux le rétrécir. Par exemple, tu as autour des gens là. Ouais, On va alors dire que c'est la si photo j'arrive de. à choper. On va dire. Vas-y, Attends. vas-y à un coin, voilà. Prends le truc rouge. Ah oui, Voilà. d'accord, quand tu fais le truc rouge et tout. Ok. Exactement. J'ai essayé de choper la ligne bleue, donc c'est pour ça que je Du coup, galérais en voilà, hop, on voit que les gens, par exemple, voilà. Si tu fais valider ton média, hop, on voit plus que les gens. D'accord. Alors. Ferme ce bon ou enlève-le, ça n'a rien à voir. Bon, tu le laisses, bon, alors, tu fais comme tu veux. Ah oui, pour Ouais, la zone de filtre là. Oui, bon. non, c'est pas ça, c'était l'enlever de ce lieu, quoi. Ah Tu sais, oui, en effet, vu que c'est pas. exactement, tu Là, fais par moins, exemple, si je fais juste supprimer, il va me. tu fais supr ou moins, ouais, Ok. voilà, et valider. Donc, si on retourne dans les médias. Alors, tiens, ferme ton presse-papier et va dans les petits grands plettes là du bas, là, sur la petite flèche à gauche. Pop, 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 attends, je vais aller dans les médias moi aussi. Comment s'appelle le truc? Cartographie photographique. Ajoute cartographie photographique. Détache-le histoire d'y voir quelque chose. Voilà, ouvre le plus grand. Et puis, sélectionne la tête du type qui a sa fenêtre, là, par exemple, seulement. Tu fais un rectangle autour de sa tête. Voilà. Tu fais select. Et là, il va te proposer les gens que tu as créés, que tu as dans D'accord. ta base. Vas-y, clique dessus sur n'importe qui, Oh, c'est pas mal ça. sur l'un des deux, validé. On va dire que c'est lui, pas du tout lui. Exactement. N'est-ce pas? C'est juste pour l'exemple. Vas-y, fermez. Tu fermes ta fenêtre, là. Alors, tu peux rajouter tous les gens qui sont. Tu retournes dans l'individu, tu retournes sur ton, je crois, sur l'individu ou les relations, peu importe. Ouais. Et tu bah, il est là, tiens, Et du coup, il y a sa tu ouvres tête. cette personne-là, là, tu l'ouvres, tu double-cliques dessus. Et du coup, c'est ça son image. Donc il est dans la tu vois que la galerie, il y a quelque chose dedans, là, puisqu'il y a un petit icône devant la galerie. Ouais. Et que c'est cette photo-là qui est utilisée comme image principale. C'est la première de la galerie. D'accord. Ah, c'est bien ça.
Il va se fournir lui-même sur la source de base, sans que tu aies Exactement. besoin d'aller te faire un petit coup de Alors là, Photoshop ou autre. exactement. Alors c'est bien, tu peux, quand tu n'as pas quelqu'un, bah, quand tu n'as pas de photo de quelqu'un, bah, tu peux par exemple mettre la signature qu'il a fait au bas d'un acte à la place. Oui. Mais oui, bah c'est pas Et mal là, si ça. tu double-cliques sur le truc et tu ne l'as pas coupé ta photo, rouvre ton bonhomme là, rouvre Kléber, rouvre-le. Si tu retournes dans la galerie, si tu ouvres la photo, elle reste en entier. Ah, c'est bien ça, hein. Et donc là, par exemple, donc dans les informations partagées, t'as des en haut là, t'as général, citation, attribut et notes. Tu as à peu près la même chose dans les informations partagées. Donc tu peux très bien dire que tu peux avoir une citation qui dit où est-ce que tu as trouvé cette carte postale? Je sais pas quoi, aux archives, trucmuche, c'était dans le tiroir de ton grand-père ou que sais-je. Et puis en haut, dans les citations en haut, donc là, la citation, elle est liée à pourquoi c'est cette personne-là que tu as liée à pourquoi c'est cette partie-là de la photo que tu as liée à cet individu. Et dire que, bah, par exemple, bah, je sais pas quoi, c'est ta grand-mère qui a reconnu ce type-là et qui sait que c'est ton oncle, par exemple, tu vois. D'accord. Ah Ou mettre une note. Et donc là, c'est uniquement pour cet individu-là que cette citation-là sera créée. Ça ne sera pas pour toute la carte postale. oui. D'accord, que sur la zone du perso du Que de pour cette personne-là, parce que c'est le lien entre ce média et cet individu, les informations qui sont en haut. D'accord. Ok, bah ouais, Après, je dis c'est cool et tout, mais il faut avoir des photos, hein. Ouais, Moi, ensuite, j'en ai, mais ceux-là, je les connais pas, ces gens-là, pour l'instant. il faudra trouver. Ça Ouais, doute. c'est ça. Bon, et puis après, bon, bah, ce qu'on n'a pas vu, c'est les notes, mais bon, c'est quand même assez relativement classique après les notes. Bah, il y en a une, et il t'a créé une note avec le géonème, c'est un truc. Ah, bah, ça va être avec la citation, je pense. Ah non, c'est un dépôt. Ok, il t'a créé un dépôt géonème, t'as vu? D'accord. C'est juste une petite. Enfin, c'est Ouais, cool en fait. voilà. Bah, vas-y, ferme-le. Va retourne dans tes dépôts. Tout à l'heure, t'avais créé les AD61, là. Bah, maintenant, tu as deux dépôts. Tu as Géonèmes, qui est le dépôt des citations de la source. Je pense que Géonèmes aussi, j'imagine. Et dans ce truc-là, si tu double-cliques dessus, tu as ajouté une note dedans. Vas-y, ouvre-le. Tu vois, tu as l'adresse Internet et tu as une note. Ok. La note, c'est bah, il te raconte que ce truc-là, Géonèbes, a été fondé par machin. Ok. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée des notes. Donc dans les types de notes, quand tu crées une note dans un objet, il te propose, bah, là on est dans un dépôt, il te propose note sur le dépôt, mais si tu appuies sur la flèche, tu peux créer des tas de trucs. Déjà, tu peux changer, tu peux en créer un que tu crées toi-même de type de note, mais si tu cliques sur la flèche type de notes, tu as 1 million de types de notes différents. Et alors attends, c'est où ça? Là, double-clic sur le dépôt, double-clic sur ta référence dépôt en bas là. En bas, là, t'attends. Double-clic là-dessus, ça va te la rouvrir. Si tu Ouais. rouvres ta note là. Voilà. Dans le type de note en bas là, tu as l'ID et le type de note. Si tu cliques là-dessus, tu as plein de types de notes. Affaires, machin, etc. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu n'as que note sur le dépôt, mais si tu crées une note dans une citation, ça va te proposer par défaut note sur la citation. Ou Okay. note sur l'individu quand tu es dans l'individu, etc. Et puis ensuite, rien de comme tout à l'heure pour dans la famille, on avait remplacé naissance par je sais plus trop quoi, par adoption, je sais plus trop quoi. Si tu sélectionnes note sur le dépôt et que tu dis que c'est je sais pas quoi, biographie, type biographie, bah, ça va te créer un type biographie. OK. D'accord. Bon. Je vois l'utilité encore là, je l'ai pas, c'est un peu flou, mais j'imagine que. Bah, typiquement, tu as un truc, regarde dans tes types de notes, là, tu as une type de note affaire. Le premier.
Moi, j'ai un type, moi aussi, je l'ai, c'est par défaut, il y a un type de note à faire, mais je me suis créé un type de note fait aussi. Quand c'est fait, ben, OK. je mets le type fait. Je garde la. Alors, il y a certains, ils suppriment la note, moi, je la supprime pas, je la garde et je la mets en type fait. D'accord. Permet de revenir dessus si je me suis trompé ou que sais-je. Ouais. D'accord. Ok, ouais, je vois, en fait, c'est un truc basique, un peu de notes, C'est un quoi, mais. titre, voilà, exactement. C'est un basique de notes. Bon, tu peux mettre des liens, tu vois, tu en as des liens, et puis tu as des trucs pour mettre des. Ah si, tiens, vas-y, tiens, regarde. Alors, sort du type, hein. Sélectionne du texte, un bout de texte là-dedans. Alors, peut-être pas tout parce qu'il y a déjà un lien. Sélectionne, je sais pas quoi, voilà, ce travail. Et puis, sur l'espèce de. Dans le menu, là, dans les icônes, là, tu as une flèche vers le. Tu as une. Ça pour mettre un lien. Agrandis un peu ta fenêtre parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir élargi là. Ouais. Non, bah, c'est ça. Non, c'était pour mettre un lien. Ouais, vas-y, clique là-dessus. Et donc là, il te propose. Bah, bon, là, voilà, il type de lien. Et bah, il te propose un média là, mais tu peux sélectionner, je sais pas quoi, autre chose, un individu par exemple. Hop. Voilà. Si tu cliques sur la petite main à côté, tu vas prendre un individu, n'importe lequel. Voilà. Valider. Valider. Vas-y, enlève clique quelque part, histoire de. Du coup, ce travail est autorisé sous un. Ça t'a créé un lien aussi. D'accord. OK? Si tu fais contre. Voilà, si tu rouvres. Si tu fais contrôle-clic de sur ton lien. Alors déjà, si tu fais rien, tu vois, il te montre où ça se passe. Si tu es sur le lien, il te montre de quoi ça parle. Alors, en restant Voilà. ah d'accord, oui, dans le pop-up là, d'accord. Voilà. Et si tu fais contrôle-clic, ça va t'ouvrir l'individu en question. OK. Donc, par exemple, quand tu commences à avoir des notes un peu, des notes de recherche ou des trucs comme ça un peu complexes, est-ce que c'est Elise Aline ou Émilie Aline que j'ai trouvé, voilà, tu mets les deux dans le truc et puis tu peux double-cliquer directement sur dans la note pour ouvrir les deux personnes, par exemple. Oui, si tu veux juste écrire son fils, et puis voilà, bim, il y a un Voilà, truc. exactement, par exemple. Ouais. Ok. Voilà. Ben écoute, c'est. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Bon, il y a plein de trucs dans les grands plates. Tu feras le tour des grands plates là, qui sont dans les petites flèches en haut et en bas là, à côté de filtres et à côté des références en bas. Alors pour le virer, je pense que ça va être le truc au bout. Non, annuler. Annuler. Je trouve que Ah, c'est. Ouais. oui. Voilà. Ah si, on n'a pas fait un truc géographie. Tiens, va dans géographie. Maintenant qu'on a mis un truc là, voilà, lieu de l'individu. Donc si tu dézoomes un peu, je pense que ça va être le village dont on C'est parle ça, là. il y a Voilà. l'écueil qui est là. OK. Et donc il y a une espèce de croix là qui est censée être le centre de la commune. Qui correspond. Si tu cliques dessus avec un clic droit, je pense. Voilà. Donc, tu as les événements, tu as tout ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, tu peux éditer le lieu, mais tu peux éditer l'événement qui correspond à ce lieu-là. D'accord. Ah oui, c'est pas mal parce que comme. Alors je sais plus si c'est dans ce village ou quoi. Ouais, c'est ça, t'as une petite chapelle là. Ouais. Mais rien ne t'empêche de créer un sous-lieu chapelle de ce bled-là. Ouais, voilà, comme Et puis le ça, parce pointer. que. Et alors, si tu cliques là sur ta chapelle, là, par exemple, avec un clic droit, tu peux créer un lieu, ajouter un lieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il me donne là? Nouveau lieu avec des champs vides. Voilà. Hop. Bon, je veux pas. Est-ce que je fais fermer et pas valider en fait, peut-être? Je sais pas, je sais plus.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ben, truc un là. double-clic peut-être. Ah ben voilà, bon, ok. Donc du coup, là, il t'a rempli automatiquement les latitudes qui correspondent à ce bled-là. Tu mets pourquoi? Chapelle, par exemple, là. Hop, tu fais valider. Voilà. Type Il n'y a rien, tu peux mettre une église par exemple, tu peux en tant que créer un type, ça peut servir à l'église. C'est plus générique que chapelle. oui. Alors par contre, bah, Ça je va être vais voir le, quand tu après. vas, ça va te le créer, ça va te le créer, tu pourras le réutiliser après. D'accord. Code, nanani, nanana. Bon, après, il n'y a rien d'autre à rajouter, de toute Alors façon. si c'est quand même même si c'est dans un lieu, c'est quand même partie 2 de la ville, ça c'est intéressant de le mettre. Ah oui, bah oui, carrément. Partie de hop, hop, écueil. Donc là, on Bah s'en oui, là. fiche la date. Si on veut être très précis, on met la date de De la date. création de l'église, Oui, de la voilà. chapelle, ouais. Bah, c'est Ouais, bon, validé. validé. Voilà, du coup, tu as créé une épingle, Bon. là. Voilà, donc. Si tu cliques droit sur l'épingle, ouais, tu vois tes deux lieux, là, du coup. Si tu cliques Ouais. droit sur l'épingle, bah, je pense que ça permet de faire. Ajouter quelque chose, quoi, après. Ajouter l'ancêtre qui est enterré là-dedans, par exemple. Voilà. Ouais, par contre, j'ai l'impression de pas pouvoir le. Faire quoi? La Quand je. sélectionner? Ouais. J'ai l'impression. Parce que si je clique n'importe où là, clic droit, Attends, ben. peut-être parce que c'est le haut ou le bas de l'épingle qu'il faut choisir. Peut-être le bas, à mon avis. Ouais, c'est un peu chaud. Si je dézoome, l'épingle sera. Ça ne change rien, l'épingle n'arrive Non. pas. Ouais. Alors, C'est bizarre ça. ouais. Essaye de cliquer sur la pointe de l'épingle en bas, là. Non, ça ne Non, change c'est rien. pareil. Bon, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas, parce qu'il n'y a peut-être rien dedans. Non, je ne sais pas, parce que normalement, ça marche. Alors, pas si je vais la géographie, qu'est-ce qui se passe? Une montre, rien de particulier. Afficher tous les événements de qui là. Donc c'est pareil, tu as des tas de vues différentes pour les événements et machin. Dans Fais quoi? ça, dans l'événement. Hop, je vais aller chez moi, hein. Ce sera plus pratique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, voilà, c'est mieux. J'ai plein de lieux là. Alors, retirer la cible, ajouter un lieu. Pourquoi est-ce que j'arrive à. Ah bah tiens, il me l'a viré la Ah, petite punaise. Hein. ah, parce que tu as changé de vue. Parce que là, tu as vu, tu as les lieux pour l'individu, tu as le. Regarde ton. Dans le lieu pour l'individu, t'as le Kléber, machin. Donc du coup, elle a pas ce lieu-là. T'as changé de vue. Je sais pas sur laquelle vue tu étais avant. Hein. En haut, là, Ah. dans les icônes. Tu as dû cliquer sur les icônes. Pas celui-là, là, mais à côté de. Non. Si t'as l'imprimante, machin. Ouais, tu as dû cliquer sur ces trucs-là. D'accord. Et donc du Bon, on va coup. faire. Donc là, il n'y a qu'un truc. Là, il me ramène un surc pour la famille. Ouais, mais il n'y a pas de truc. T'as dû en... Ça devait être un autre qui devait être affiché avec tous les lieux ou je sais pas quoi. Vas-y. Tous les lieux connus, là. Tous les lieux. T'avais un truc, tous les lieux connus. Tous les lieux connus. Non, il n'y a pas d'événement dans l'église, donc c'est pas celui-là. Ça va être celui d'à côté, celui de gauche. Voilà. Donc D'accord. non, il n'y Bah a là, il y a pas.
Il n'y a plus ce petit truc à la... Par Voilà. contre, il y a cette grosse punaise là qui n'était pas là tout à l'heure. Un peu... C'est quoi ce truc? Non, je sais pas. Pourquoi c'est que... Je pense que c'est pas... Oh, ben, il y a deux punaises maintenant. Trois punaises. Ouais. Il met... C'est quoi tous ces punaises? T'as dû faire des Bah là, trucs. il y a Surc. J'étais en train de chercher pendant que sur mon... Ah bah tiens, elle est... Ah bah si, pourquoi c'est une grosse punaise là? Ah oui, C'est bah une voilà, sur c'est bon. l'église là. C'est celle qui est sur la chapelle maintenant. Alors, je sais pas pourquoi il a transformé en une grosse Ah, et punaise. donc voilà, maintenant quand on clique dessus, en effet, il y a le... Ah ok. Ah, mais en fait, tu as un clic droit et un clic gauche. Le clic droit, il te donne le lieu et puis je sais pas trop quoi. Et le clic gauche, il te permet de faire d'autres choses. Et le clic droit, il te permet de faire d'autres choses. Alors le clic droit là, ici, pour c'est le Ah même ouais, ça, c'est le que menu. partout. Ouais. Du coup, il y a celui-là. Ok. Éditer, centrer ou marquer. Ok, mais du coup, Je ne sais pas pourquoi il y a des grosses punaises là maintenant. Bon, je pourrais bah, il y a regarder. les autres, tous les lieux connus. Donc en fait, on a Ah. Surc, Ouais. écueil. Donc ça, Ouais, c'est mais je on avait suis d'accord. des... C'est bizarre, on avait une espèce de croix tout à l'heure et puis juste cette Ouais, il y punaise. avait C'était pas les... Bon, juste alors, la je sais rien. cible. Comme c'est pas forcément les mêmes mecs qu'on dévoile. Ah bah tiens, il a revenu la croix là. Ouais, là, je suis retourné dans la vue pour l'individu. Ok. Bon, enfin, il faut jouer Ouais. avec, quoi, histoire de... Ouais, pour trouver. Je trouverai comment il fonctionne. Voilà. Ok, bon, voilà, on a fait un peu le tour, hein. Bah Cette oui, fois. déjà avec tout ça, c'est pas, ça permet de voir carrément plus clair de comment ça fonctionne, de voir. La Après, philosophie un peu j'imagine. du truc, quoi. Ouais, c'est ça, et puis de voir un peu les possibilités, les possibilités que ça offre. Bon, du coup, ton Bon. grand-père à la tête du bonhomme de la rue, Ouais, pour l'instant, il aura cette tête-là, là. voilà. Je ne sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est Ça lui, doit, peut-être, tu sais ça. pas. Ben Bah, j'en non, sais c'est ton rien. Enfin, grand-père, c'est non. Non, c'est ton sympa. Non, grand-père que c'est tu parce que connais. lui, c'est... Ouais. C'est ton arrière-grand-père que tu Là, mon arrière-grand-père aussi, je l'ai connu, donc Ah ça bon, va. c'est pas lui Mais alors. après, là, la carte postale, elle était à Bléquin. Bon. Bléquin, qui est un autre patelin là, dans le Pas-de-Calais, pas trop loin non plus. Ouais. Et c'est une des rues... Bah, je crois que j'avais posté ça sur le Discord là, pour un peu savoir... À un moment, j'avais regardé un peu les diverses cartes postales... Ouais. Des villages et tout là, et il y a une rue où il y a, bah, comme à chaque fois qu'ils faisaient une photo, quoi, toute la rue qui Tout sort pour sortait, poser. ouais. Ça se Et trouve, donc, ouais, on a des ancêtres sur ces photos-là, on sait pas quoi. mais c'est ça, ouais, Ouais. c'est assez difficile de les reconnaître et tout, donc, Ouais, sauf si vraiment ils ont une tête particulière, mais là. c'est ça. Ouais, reconnaître. Et c'est quoi, quand ça clignote, c'est quoi, Ça, Emile? ben c'est celui qui est Pour me dire. celui qui est sélectionné. Si tu cliques sur celui qui a la photo, par exemple, ça va être lui qui va être sélectionné, qui va clignoter. Oups. Ah non, Ah oui, d'accord, ok. pardon. Tu Il cliques a une fois, bougé. quoi. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben écoute, c'est top, hein. Je vais pouvoir commencer à... Parce que là, j'ai pas mal... Avec la personne dont je te parlais tout à l'heure, là, qui a déjà Ouais. bien avancé sur son arbre, bon, j'ai discuté avec et tout. Lui, il m'a bien expliqué qu'il faisait... Avec quasiment que les actes, il recherchait que les actes en fait, tout ce qui est un peu histoire et tout. Il a l'air de s'en taper un peu, même s'il a quelques trucs et tout qu'il connaît sur la famille, mais de son côté. Ouais. Mais comme il fait que les actes et tout, il m'a dit, bah, écoute, moi ça fait voilà, 15 ans que je fais ça. Si tu veux Ouais, tu veux faire compléter? du ouais recompléter quand tu as des infos, c'est comme tu veux. Et après, si tu veux pomper tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci, quoi. Ça le dérangeait pas, Tu peux il est, importer. parce qu'il a mis sur Généanet. Donc après, moi je lui ai dit, à chaque fois j'essaye de quand même d'aller vérifier pour récupérer, bah, le Ouais, c'est média qui ça. correspond au truc et tout. Donc ça, je faisais ça sur Généanet. Et du coup, c'est le Ensuite, ce week-end que... dernier, le week-end d'avant, j'ai bien rempli sur Généanet, mais je me suis dit, merde, si je commence à faire là-dessus et que après je vais passer sur Gramp, je vais faire le travail en double, donc je me suis arrêté. Tu travaillais sur quoi là actuellement? Sur papier? Ah Non, 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 sur ton arbre j'étais. Généanet?
Ouais, sur l'arbre généa net, j'étais Ouais. que là-dessus. Alors déjà, tu peux quand même exporter ton arbre généa net en Gedcom et l'uploader dans Gramps, par exemple. Ça t'évitera de ressaisir tout, par exemple. Ah ouais? Ah Ouais. putain, ça, je veux bien voir comment on fait alors, parce que. Enfin, si t'as le temps, hein, tu me Ouais, dis. vas-y, vas-y. Si tu vas sur Généa Net. Bah là, c'est bon, en fait, c'est celui qui est ouvert. Voilà. Attends, Et... mais je suis pas en premium, ça va pas On être s'en fout, possible, on du s'en fout. coup. Si, 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 si. Ah ouais? Ouais. Alors, remonte un peu dans ta fenêtre, là. Voilà, menu. Menu à côté de Générer Giantalo, là. Envoyer. Exporter, non? Sauvegarder, exporter. Ouais. Alors, l'arbre. Alors. Sauvegarde de l'arbre. Vas-y, formager de com ASCII. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans là? UTF-8. Prends UTF-8. Voilà. Lien vers les images de l'arbre. Pourquoi pas, si t'en as, je sais pas. Bon, non, c'est vide. Enfin, Ok. aussi, il doit y avoir 2-3 médias, je crois, Bon, ok. dans l'arbre. Bah, vas-y, fais télécharger. Bah, ouvre le zip là. Voilà, fichier en dossier. Alors, attends, Double-clic sur le faut zip là, que. histoire de voir ce qui se passe là. Je vais juste aller me le mettre dans. Parce qu'en fait, je fais tout ça avec l'ordinateur du taf. Donc, à chaque fois, je me dis que je dois changer. Mais en plus, je suis sur. Si je prends mon ordi perso, d'ailleurs, c'est un Mac. Mais il y a Grand sur Mac et Ouais, tout. si, ouais. Ah bah tiens, honnêtement, je vais te montrer un truc. On va se mettre là. Bah non, on s'en fout en fait, on va se mettre là, c'est très bien. Ok. Hop, il Alors, faut que je fasse. ouais, faut que tu le dézippes. Alors, c'est bon? Ah oui, il me l'a mis là. Ok, alors bah, bon, tu peux sortir de là. Tu retournes dans Gramps. Alors je te conseille, c'est de te créer une nouvelle base quand tu fais ce genre de choses. Tu vas dans l'icône, ouais, soit dans arbres familiaux, soit dans la soit gestion des arbres familiaux, là. Hop. Après toi, je sais pas quoi, un nouveau Généanet, par exemple. Allez, hop. Ok. Return, ouais. Et puis tu charges la fin, charger. Et puis là, tu vas dans Arbres familiaux, encore là-haut, là, et tu fais importer. Ok, je vais me rechercher mon truc que j'ai mis dans. Ouais, du coup, tu vois tous les trucs, hein, c'est pas très grave. Putain, c'est un bordel, hein, comme je peux voir. C'est fou, en fait, Alors, j'ai fais l'impression pas. qu'il me Attends, montre. regarde, clique sur modifier là, ça va te donner le dernier modifié. Où ça? Sur les colonnes, sur le type des colonnes plutôt que par nom, fait soit par modifié. Le dernier, Ah oui. Donc en haut, tu dois avoir généalogie, je crois, voilà, j'imagine. Bah non, même pas. Attends. Tout en ah, bah, là, c'est tout en bas, là, non, pour le coup. Alors, Attends. on voit tout en bas ton généalogie. Ouais. Et donc, normalement, Reclique c'était là. sur modifier, à mon avis, tu es dans l'ordre inverse là. Ah oui, en effet, voilà. Hop. Et donc je charge ça. Ah. Vas-y, va importer. Je vais t'importer tout le bazar. Alors, statistiques.
On l'a fait, ok. Quand dans le rapport, tu vas avoir c'est toi. Aucune référence. Ah, bah, c'est très bien. Ok, fermé. Et du coup, tu as tout ton arbre là qui est arrivé. Tu vois, les individus, ils sont tous là, etc. Ah, ouais, d'accord. Ça, alors, c'est top, quoi. Alors par contre, il y a du nettoyage à faire parce que c'est pas la même gestion avec GeneWeb qu'avec Gramps. Tu vas te retrouver avec des familles. Si tu vas dans les individus, je pense que tu vas avoir des XX et des conneries comme ça, j'imagine. T'as tout le monde, mais si tu vas tout en bas, à mon avis, tu te retrouves avec des mecs qui n'ont pas de nom, qui ont des X et des X ou des trucs comme ça, j'imagine. Pareil, tu vas avoir des familles bizarres, des trucs comme ça. Bon, c'est du nettoyage à faire, quoi, après. Mm-hmm. Ah oui, mais ça avance pas mal. Il y en a peut-être que tu as créé toi, il y en a peut-être que GeneWeb a créé, quoi, dans le truc. Ouais, il y en a des XXX, là, c'est moi qui les ai appelés comme ça. Alors, si tu vas voir, tu vois tes lieux, là, et à mon avis, tu vas avoir des lieux tout plats, si tu vas dans les lieux. Si tu vas dans la vue lieu. T'as pas, voilà, tu vois, tu as tes trucs qui sont tout plats. Là, c'est l'intérêt de passer par le nettoyage des lieux, c'est que tu vas pouvoir te recréer toute ta structure, toute ton arborescence en repassant. Comme GeneWeb, il gère ça dans un champ texte, bah, du coup, il t'envoie un champ texte, quoi. Comment ça? Attends, j'ai pas compris. Tout à l'heure, tu avais une structure France, Île-de-France, Paris, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Maintenant, tout ça sur une ligne, c'est plus groupé, quoi. C'est plus dégroupé, quoi. Donc, du coup, là, pour le coup, t'as, je sais pas combien tu as de lieux là-dedans. Là, tu en as 155. Il faut que tu passes 155 fois sur ton nettoyage de lieux de façon à les refaire proprement au style Gramps, quoi, après. Ouais. Exact. Et donc là, si je vais dans famille, pareil, il y a Emma. Ouais, tu vois, tu as des DXX bizarres, des trucs comme ça, qui t'a créé là. Bon, ça va quand même. Si tu double-cliques sur une famille, là, s'ils sont mariés, j'imagine que tu as un événement mariage là-dedans. Tu as les enfants, voilà, tu as l'événement mariage. Par contre, à mon avis, tu n'as aucune source ou tu n'as qu'une source bizarre, peut-être. Si tu ouvres un événement de mariage, par exemple, t'as pas dû rentrer de source parce qu'il n'y en a pas. Ah oui, non, il y en a. Je ne les mettais pas. Ok. Je ne les mettais pas dans GeneNet. Pourquoi? Je crois que ça. Alors, c'est soit par flemme, soit parce que j'ai commencé et puis je me suis arrêté. Si tu vas dans les sources, tu vas les trouver, quoi. Ce qui t'a créé, pareil, ça va être dégueulasse. On avait pire. Mais si tu ouvres ouvres-en une de source, là, par exemple, derrière toutes les citations, elles sont à blanc, normalement, je pense. Voilà. T'as une citation, mais elle n'a pas de titre, cette citation, tu ne sais pas quoi ça correspond. D'accord. Ah oui, c'est parce que. C'est parce que quoi en fait parce que dans le truc de GeneNet, il y avait ça décrit. Ouais, mais c'est juste un texte, donc généralement on saisit ce qu'on veut là-dedans et il ne sait pas faire la différence entre une source et une citation. Ok. Et donc du coup, il te l'a mis en source. D'accord. Ensuite, tu vas renommer ta. Je sais pas, soit tu renommes tes sources, soit tu renommes tes. Tu vois, tu as un peu tout. Là, tu as une cote, là, manifestement, 5202. Là. En dessous, il y a marqué acte de mariage. J'imagine que ça devrait appartenir à. C'est plutôt une citation qu'une source. Enfin bon, tu vois, tu as des merdouilles comme ça qu'il faudra que tu corriges, quoi, par exemple. Ouais. Il y a un moment, avec les liens et tout. Ouais. Donc tu as un joyeux mélange, là, du coup. T'as un peu de jardinage à faire. Voilà. C'est ça. Mais bon, c'est déjà bien avancé. Hein, qu'avec, c'est clair que de tout ressaisir à la main, c'est plutôt chiant. Quoi. Bah oui. Parce que c'est donc, je suis pas... Fais voir, vas-y, je pense que tu dois avoir tes notes, s'il y en avait. Voilà. Et ça, pareil, c'est dans... Ah oui, d'accord, dans chaque... Les notes que tu as pu saisir, elles sont là. Si tu regardes dans référence, là, en haut, j'imagine que ça est attaché à un événement. Voilà. L'événement.
C'est pareil, si tu vas à référence, tu vas avoir référence de la personne à qui ça correspond. Ok. Bon, c'est propre, hein, ça va quand même. C'est pas mal. La Ouais. récupération est quand même pas trop mal. Bah tant mieux alors. Voilà. Ouais, t'as eu de la chance, c'est pas toujours nickel Ouais, comme ça. j'imagine, ouais, Mais... c'est que. Ok, et eh ben écoute, c'est top alors. C'est top. Je vais pouvoir continuer là-dessus en fait, je pense. Je vais pas. Donc là, si Ah, tu c'est vois, bizarre là. C'est par famille du coup, là, c'est ça? c'est celui que tu avais, le dernier que tu avais cliqué. Si tu reviens Ouais. sur la flèche, sur flèche en arrière, là, j'imagine que tu vas retourner voilà, tu vas retourner aux individus d'avant. Ok, voilà. Ça dépend sur quel individu tu te trouves, en fait. C'est sa famille à lui, quoi. C'est sa famille de Oui, c'est l'individu ça, avec ouais. lequel tu C'est te trouves. ce que j'ai compris. C'est vrai que c'est un autre raisonnement. Enfin, c'est un truc qu'on se fait Tiens, dans la tête, quoi. on va profiter. Retourne dans l'individu. Prends-toi un individu par défaut là-dedans. Là, je sais pas quel est ton sosa numéro 1, si c'est toi ou quelqu'un d'autre, par exemple. Alors si je fais ça, il va. Alors le sosa 1. Enfin celui que j'ai créé dans le GeneaNet, le tout premier, c'est j'ai créé Non, ma mais fille et je suis parti de là. ah, Donc bah, ça... si ta fille, tu peux prendre ta fille si tu veux. Ça fera là. Bon Ah, allez. tu la sélectionnes comme. Non, il sort de Ah oui, là. pardon. Bon, si elle rouvre là, tiens, par exemple, tu as aussi. Clique dans le bandeau où il y a dans le bandeau en haut, où il y a marqué Dans Salut, où il naissance. y a marqué Olympia, etc. Ah, là-dedans, on peut cliquer. Ouais, si tu cliques à droite. Ouais. Tu peux soit donc l'activer pour qu'elle soit la personne active, entre guillemets, Ah oui, ou la elle est faire, déjà ou faire la home personne. Voilà. D'accord, ouais. Donc, Ah bah, c'est pas mal, mais ça. la home personne, par exemple. Voilà. Vas-y, sors de là. C'est bon. À côté de filtre, prends les grands-plates qui sont dans les filtres là. Ajoute un grand-plate, connexion approfondie. Alors, et puis va chercher, je sais pas quoi, sur un oncle, un grand-père, un arrière-arrière-arrière-grand-père, ce que tu veux. Alors, va dans ta vue groupée, tiens, retourne dans la vue groupée, là, ça sera plus lisible que là, c'est bordel, là. En haut, là, tu as la Ah oui, vue, là. ouais, voilà. Voilà. Ah oui, carrément. Oui. Pourquoi on est... Et ben, on va aller voir ça. Et on va aller voir... De prendre n'importe qui Bon, n'importe quel, ouais, parce que je ne les connais dans pas ses trop. ancêtres. Allez, on va prendre cette dame. Et voilà, du coup, il te montre que c'est sa tante, là, au quatrième degré. Et puis il te dit quel est le chemin pour aller jusqu'à elle, quoi. Oh, putain. Ah, c'est pas mal ça. Et si tu fais continuer, il peut peut-être y avoir plusieurs chemins et il va te les indiquer. Il te met le premier le plus simple. Voilà. Relation 2. Ah, ouais. Bon, ensuite, ça revient Qui est sur. là? Après, c'est qui est l'enfant, qui est le frère, Exactement. blablabla. Ah ouais, mais c'est pas mal ça. Parce que pour l'instant, ça... Quand je discutais de ça avec mes parents et tout, avec c'est un peu compliqué en fait de dire Ah, de savoir qui est alors qui. c'est Ouais, le ouais, et ouais. du coup des fois tu te fais des schémas et tout pour Ouais. retrouver où Et t'es. donc là, si tu cliques sur quelqu'un de mémoire, un clic gauche, ça va le dans la liste, dans les collections approfondies. Un clic gauche, je ne sais plus ce que ça fait. Ça fait double-cliquer sur le nom pour les détails. Ça Ah, j'ai te le juste cliqué et ça. sélectionne. Et si tu fais un clic droit sur un nom, ça te l'édite. D'accord. Et donc là, à partir de là, Voilà, on peut le modifier et tu tout. peux bouger, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Putain, c'est ouais, c'est génial ça. Ça change de Ah oui, complètement, hein. GNMET.
Complètement. C'est vrai que c'est ça fait peur en fait quand tu vois, tu connais pas. Mais rien que là avec les petites bases que tu viens de m'apprendre là, bah Ouais, tu peux faire déjà tu pas peux mal déjà de jouer un trucs quoi, peu très là, ouais, bien. c'est clair. Mais Ouais. oui. Ouais, c'est déjà super bien. Alors, tiens, si tu retournes dans tes événements, retourne dans les événements. Alors, tu as tous tes événements là. Mais si tu vas dans les filtres, là, dans les filtres que tu as créés, dans l'autre base, et ils sont en fait la base de filtre, elle est unique pour toutes tes bases de données. Donc D'accord. si tu cliques là-dessus, tu vas retrouver tes mariages dans le Pas-de-Calais. Si tu fais Pas-de-Calais, là, tu vas retrouver mariage dans le Pas-de-Calais, par exemple. Ouais, vas-y. J'ai trouvé. Hop, j'ai trouvé les mariages dans le Pas-de-Calais. Ah Alors par contre, comment il a trouvé ça? Parce qu'il n'y a pas de lieu ouais. là. Oui, parce qu'il n'y a pas de lieu, donc mais ça Ah doit non, être parce marqué là. on avait changé tout à l'heure, on avait dit mariage ou Pas-de-Calais. Si tu ouvres le filtre, on avait dit mariage Ah ou oui, exact. Pas-de-Calais, on Ah, n'avait pas donc là, dit il a trouvé tous les tous mariages, les ouais. mariages, Donc et il y puis en a qui sont pas dans le Pas-de-Calais. peut-être qu'il y en a qui sont dans le Pas-de-Calais en dessous, j'en sais rien, mais voilà, il y en a qui arrivent dans le Pas-de-Calais. Ouais. Si tu remets le filtre normalement, non, tu l'édites avec le bouton. Voilà. Et au lieu de, au moins une règle, c'est les deux. Toutes les règles doivent correspondre. Tu vas avoir que les mariages en Pas-de-Calais. Ah bah là, du coup, comme il n'y Ah, a aucun lieu. pourquoi il n'y avait pas marqué? Ben, si, il y avait des lieux Pas-de-Calais. Ah, mais ils sont peut-être pas écrits Pas-de-Calais pareil. Il y a peut-être des tirets ou des trucs, non? Fais Alors, je effacer. crois qu'ils étaient même écrits dans Ouais, tu vois, la t'as zone, pas, il y avait pas, des lieux. non, t'as pas de calais avec des tirets. Donc, retourne dans ton Ah oui. éditeur de filtre, là. Non, pas celui-là. Sors de là. Tu vas dans Pas-de-Calais. Tu prends le filtre Pas-de-Calais. Tu avais fait un filtre Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, Ah edit. oui, d'accord. Tu l'édites. Donc je mets des tirets là, Non, c'est ça? non, ça, on s'en fiche, c'est le titre. C'est dans le lieu qu'il faut Ah que tu oui, non, mettes. c'est dans ça. Tu mets des tirets. Validé. Validé. Du coup, tu reprends ton filtre mariage dans le Pas-de-Calais. Non, non. Tu le sélectionnes. Et non, tu n'as pas besoin de l'éditer. Ah, il le fait tout seul? Ouais, bah oui. Ah oui, mais c'est le C'est titre, le donc on titre, s'en on s'en souvient, fout. voilà. Trouver. Hop, Donc voilà. là, voilà, cette fois-ci, c'est bon. C'est que le mariage dans le Pas-de-Calais. Ouais, l'outil de filtre, il est assez puissant, en fait, Ah, quand tu crées c'est des... super puissant. Ah non, c'est vraiment bien, hein. Tu peux te les... Et donc, tu peux très bien. Alors maintenant, tu peux aller chercher, si tu vas dans l'individu, tu vas dans tes filtres. Tu en édites à nouveau. Hein. Nouveau. Te faire marié du Pas-de-Calais. Plus. Donc, filtres généraux. Je peux être tout en bas, je pense. Vas-y, descends. Alors, Il en a quelques-uns dans les tuyaux. attends, individu correspond. Attends, c'est pas ça. Remonte. Bon, tu dois avoir un. Individu correspondant au filtre. Pourquoi on ne trouve pas? Normalement, tu dois avoir un individu correspondant au Ouais. filtre événement. Au filtre événement. Au filtre événement. Pourquoi on ne le voit pas? Descends. Match associé. Tiens, c'est bizarre. C'est où ça? C'est pas dans les individus, les filtres événements. Filtre. Non, j'en sais rien. Alors, où est-ce que je le trouve, moi, chez moi, ce truc?
Alors, filtres généraux, il me semble que c'est dans les filtres généraux. Ah, c'est événements correspondant au filtre. Alors, est-ce qu'on a ça, événements correspondants? Ça, c'est bizarre, pourquoi tu me l'apprends, toi? Dans les filtres généraux, Ouais, voilà. on est dans les individus, là. Ouais, on est dans les individus. Bah, je ne sais pas, regarde dans les autres, peut-être que dans ta version, ça a changé. Filtre Événement. événement. Alors, événement correspondant au filtre en bas, là. Tout en bas. Donc, vas-y, je sélectionne mariage dans le Pas-de-Calais. Validé. Ah, ça n'a pas marché, ça. Bon, essayons, on va bien voir si ça marche ou pas, on sait rien. Non, c'est un événement, un mariage, c'est un événement de famille, c'est pas un individu, donc il va pas le trouver, en fait. Ah oui. Ouais, il trouve Ouais, personne. c'est ça, il trouve Donc, en personne. fait, il faut aller dans, famille. Voilà, faire la même chose dans famille. On l'avait appelé marié. Donc, filtre événement. Famille avec événement. Non. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas traduit. Families matching event filter au-dessus. Ah oui. On entend, il y a des petites lacunes dans les traductions. Mariage Pas-de-Calais. Donc, du coup, tu as tous ces gens-là. Et si tu retournes dans tes individus, pourquoi je suis sorti de là? Filtres familiaux. Parents du filtre junior, filtre événement. Filtre junior. Où est-ce qu'on trouve ça? Je ne sais pas s'il y a avec les familles, fil relationnel, marqué, fil non, c'est pas l'ascendant, mais l'ascendant. Filtre familial, conjoint, enfant, là, filtre avec une relation, c'est pas ça, mariage, parents du fils. Ah ben, il n'y a pas ça, tiens. Ça me paraît bizarre, ça. Individu correspondant au filtre, là. Personne filtre. Mais il n'y a pas Family Filter, non? Je m'étonne. Comment qu'on peut trouver ça du coup? Ben, je sais pas. Oui, du coup. Retourne dans tes événements. On va changer le filtre. Mets-lui les naissances, il va trouver les naissances, tant pis. À la place de mariage, tu mets les naissances dans le truc. Édite ton filtre. Hop, naissance dans le Pas-de-Calais. Bon. Bon. Et ouais, tu prends le premier, tu double-cliques sur le premier, là. Voilà. Tu mets naissance. Ah merde, ah, c'est des ouais, un type naissance, événement avec un type particulier de naissance. Retournes dans l'individu, tu fais tourner ton fil. Non, c'est bon, c'est pas la peine de le faire tourner là. Bon, c'est plus les mariés, mais c'est pas grave. Vas-y, fais tourner mariés du Pas-de-Calais. Va trouver tous ceux qui sont nés dans le Pas-de-Calais, du coup. Ah bah quasiment tous, non? Ah mais non, il trouve personne non plus, donc. Qu'est-ce qu'il y a dans le filtre, là? Mariage, là. Nom du filtre, là. Mariage dans le Pas-de-Calais. Ah bah, ah, parce que tu as changé de nom, tu l'as mis à plus naissance. Ouais. Bon, du coup, plus naissance. Bon, c'est pas grave. Vas-y, trouver.
Tu as 309 personnes sur 471 qui sont dans le Pas-de-Calais. Ok. Et ça, tu l'as. Ah oui, c'est écrit en bas là-bas. Ah oui, bah, quasiment tout le monde est là-bas. Hein, donc... pas les grands voyageurs. Bon, voilà, bah, un petit tour de l'horizon. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. C'est très cool ça. Parce que j'avais pas trop envie de... Bon, de toute façon, j'avais pas trop les moyens pour l'instant d'investir dans un truc type Eredis et compagnie. Hein. Moi, je te... qui ont l'air plutôt sympas, tu vois. Ça, Eredis, il est bien aussi. Il a une base de données dégueulasse. Il te fait un jet comme dégueulasse. Par contre, ouais. Il te fait des plus beaux graphiques que celui-là. Mais il est moins puissant que celui-là. Celui-là, c'est le plus puissant du marché, quoi, de toute façon. Ah ouais. Ouais. Oui, parce que c'est tellement... tellement configurable que, voilà. Que forcément dans les autres tu dois avoir des par contre il a limites. Ouais, bah, et puis de manière comme ils sont payants les mecs soit tu le développes toi-même soit tu vas voir le mec tu lui dis oh ça marche pas comme ça ça serait mieux ok je vais développer le truc et tout et puis tu fais le truc quoi que là il faut attendre la version suivante si toutefois ils veulent bien le prendre en compte et puis que tu payes la version suivante pour avoir la fonctionnalité ouais c'est ça donc pour avoir un filtre supplémentaire il faut que tu te tapes 120 balles à chaque fois quoi. Donc, bah ouais ça fait pas mal c'est un budget quoi. Ouais c'est clair donc voilà déjà ça c'est cool franchement est-ce qu'on peut dire que je suis converti ou pas, j'en sais rien. Bah, tu verras l'usage après. Je suis lancé là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça, on verra. Alors comme tu as importé ton arbre là, pour l'instant, je t'invite pas à le faire, mais quand tu auras fait ton choix, tu pourras le supprimer de Généanet. Et comme tu as arbres familiaux là, dans arbres familiaux là-haut, tu peux faire des exports aussi, exporter. Voilà, suivant. Et donc, bah, tu peux faire un export JETCOM, par exemple. Voilà. Hop. Donc là, tu as tout. Est-ce que tu veux sélectionner qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux tout? Est-ce que tu en veux que certains, etc. etc. Ouais. Et puis, en faisant son suivant, il va te proposer... le nom du fichier JETCOM et que tu peux de la même façon que tu peux importer de l'autre côté sur Généanet. Ah oui, d'accord, ok. Donc moi, je saisis rien dans Généanet une fois par mois, je viens mettre à jour toute ma base, je la réécrase complètement sur Généanet. D'accord, ouais. Alors, écoute, je vais faire comme ça maintenant, je pense. Hein. Enfin déjà, il faut. Voilà, parce que. Alors. Si tu fais comme ça, bon, on en reparlera, mais attends, je vais essayer de trouver le lien. On en reparlera, on ne va pas faire ça maintenant. Je vais changer la lettre. Si tu te sens à le faire tout seul, tu le feras, sinon tu n'hésites pas. Community Farm. Alors, attends. Je vais faire un son sur Généanet dans les forums, dans le forum Gramps. Je ne sais pas si tu l'as, je te l'envoie. Où est-ce que je suis là? Comment on fait pour avoir une discussion? Ah, c'est là. Donc, forum Gramps, c'est là. Et Globe Globe, il est là, hop. Clop, 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 clop. Donc, copier le lien. Hop. Donc. Tu vois les liens qui s'affichent dans la discussion? Ouais. Okay. Donc, le premier lien, c'est le forum Gramps sur Généanet. Et puis, le deuxième,
C'est un greffon supplémentaire pour, voilà, sur la 5A, là. C'est un greffon qui s'appelle Jetcom for Généanet, qui te, alors, le Jetcom, il est un peu bricolé dans le sens où il te rajoute des tas de trucs, des notes, des machins, etc. Du coup, il colle pile poil à GeneWeb de façon à matcher au max. Tant pis, il est pas au standard, c'est pas un Jetcom quand tu passes dans un vérificateur Jetcom, il est dégueulasse. Mais par contre, il est importé nickel sur Geneanet et tous les champs bizarres de Geneanet, ce greffon-là, il te transforme le Jetcom de façon à ce que toutes tes informations, le maximum de tes informations aillent dans les différents champs de Geneanet. D'accord. Donc, faire en sorte que, ben voilà, par exemple, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui est marqué là? Voilà, export des témoins pour les événements, il va te les exporter, tu auras tous les témoins tu auras tous les témoins sur la fiche d'une personne, par exemple, sur Geneanet. Ce que OK. tu n'as pas avec le Jetcom normal, Ouais, etc., ouais. etc. OK. Et donc ça, ouais, c'est juste un Donc ça, truc à l'installer, quoi. c'est un zip, si tu veux. Si tu vas dans 5.1, dans le répertoire 5.1, hop, tu dois pouvoir choper, si tu connais GitHub? Ouais, un peu, ouais. Si tu vas Juste sans sur plus. GoTo, là, je pense, tu dois avoir une flèche, et tu dois pouvoir télécharger Voilà. 5.1.zip. Voilà, tu prends le dernier, je sais pas, non, 5.1. Là, peut-être, celui-là, c'est la bêta. Donc... Non, ça va être au-dessus, là, le point zip 5.1.2. C'est quoi tout ce bordel? Je ne sais pas exactement. Faudra regarder ce qu'il y a sur le forum. J'imagine que ça va être le dernier, le 2.0.10. Là, je suppose que c'est au-dessus. 5.1 Jetcom-Geneanet-2.0.10, là au-dessus, là, point zip. Je suppose que c'est celui-là. Ou 11, 12. Ah, attends, il y a 11, 12. Hein. 12. Ouais. J'imagine que c'est celui-là, la dernière version. Et ça, tu te souviens, tout à l'heure, je t'avais dit, tu as un répertoire GRAMPS dans AppData, Trucmuche, là. Oui. Ben en fait, ce zip, là, il faut le dézipper dans le. Dans le ben, vas-y, j'ai vu que c'est. Alors. Attends, je rame pour aller. Tac, hop, c'est donc on avait. Donc, si tu vas dans C user, C utilisateur, utilisateur, ton utilisateur. Alors, est-ce qu'il y est? Non, il n'y est pas parce que tu ne vois pas les fichiers cachés là. Ouais, ça va être personnalisé ce dossier peut-être. Non, c'est pas ça. Sors de là. Va dans Fichier, là-haut. Fichier. Fichier. Tout en haut dans le menu de l'explorateur, Fichier. Premier onglet du menu, tout en haut. Ah oui, pardon. Voilà, modifier les options des dossiers de recherche. Je souhaite dans affichage, deuxième onglet. Descends un peu. Alors, tiens, t'as affiché dossier caché. Afficher les dossiers lecteurs cachés. OK. Et donc, si on remonte là-dedans, c'est AppData, ça doit être AppData, je pense. Roaming, Gramps. Gramps 5.1. Alors, tu vois, tu avais la Gramps DB où on avait la base de données. Là, c'est Gramps 5.1. D'accord. Et tu as tous les plugins en haut, là. En haut, la première répertoire. Donc, en fait, voilà. Donc, tout ça, c'est les plugins qu'on a téléchargés tout au début. C'est tous ces machins-là. Et donc, le fichier zip, il contient lui aussi un répertoire qu'il faut mettre là-dedans. D'accord, ouais.
Et donc, du coup, tu relances Gramps une fois que tu as mis ton truc là-dedans. Tu relances Gramps et tu te retrouves. Bon, vas-y, fais-le si tu veux. Ça sera fait, hein. Vas-y, clique sur ton zip, là, ça va l'ouvrir comme ça. Donc ça je le prends, paf, et je vais le mettre là-dedans. Jette comme pour générer. Hop. Ok, on ferme ça. Ok, sors de Gramps si tu. Ouais, bah essaye, vas-y, ça y est peut-être, après tout c'est que. Non, vas-y, fais exporter. Ça se trouve, il y est, peut-être. J'en sais rien, je suis pas sûr. Sinon, faut sortir. Suivant. Non, il n'y est pas. Vas-y, fais redémarrer Gramps. Et tiens, d'ailleurs, là, il n'y a pas un truc genre sauvegarder ou un truc comme ça? Ça va le sauvegarder. Ok. Quand tu quittes, ça sauvegarde. T'as vu la barre de sauvegarde en bas? Non, j'ai pas vu. Non, ça l'a fait, je l'ai vu, moi. Ok, ça a été trop vite. Attends, je vais juste voir parce que la petite s'est mise à pleurer là. Ok. Donc j'arrive tout de suite, hein. Oui, je l'entends d'ici, ouais. Ah ouais, j'arrive. Bonsoir à tous. Hop, me revoilà. Donc là, j'ai la petite sur moi. Du coup, ça va pas durer. Ça va pas Non, durer non, longtemps. non. Alors, par contre, tiens, c'est pas normal que tu aies la fenêtre qui s'ouvre. Vas-y, fais ton charger ton arbre familial. On a oublié un Ah truc. oui, c'est la deuxième qui soit. Ouais, fais charger. Va, retourne dans Edit. Edit. Ça tousse, ça tousse. Édition, fais une édition paramètres. On a oublié un truc. Préférence. Préférence. Ouais. Ouais. Va dans arbre familial, deuxième onglet. Charger automatiquement le dernier arbre utilisé. C'est Ah pour ça oui. que tu as la fenêtre de Ok, chargement. voilà, Ouais. je crois. Ouais. Hop. Et donc, du coup, si tu vas dans arbres familiaux, exporter. Sur. T'as un jet de com pour générer un net maintenant. Ah oui. Donc, tu as tous les trucs du début et puis tout un tas de trucs en plus pour embellir le contenu sur GeneNet. D'accord. Ok, il y a toutes les autres options. Le rôle pour les événements. Pour les médias, on s'en fout pour l'instant. Une archive zip. On s'en fout de ça, ouais. Mais du coup, bah voilà, tu vas avoir
Si t'as, si tes lieux, ils portent plusieurs noms, anciens et nouveaux, par exemple. Toi, tu vas aller quand tout à l'heure on parlait avant et après une certaine date sur un lieu, quoi, tu sais. Et il appartenait au Nord ou au Pas-de-Calais. Et ben, Généanet, il sait gérer qu'un lieu. Et ben là, ça va te rajouter une note en disant nom du lieu sur l'acte. Si par exemple c'était dans le Nord, ça va te mettre la ville dans le Nord, etc., quoi. Et puis par contre, sur Généanet, ça va te mettre la ville dans le Pas-de-Calais actuel. Des choses comme ça. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Ça permet de faire les choses Proprement, du coup, ça proprement. adapté à celui qui va recevoir, quoi. Voilà. Ok, ben c'est top. Tiens, Merci beaucoup. Je voudrais que tu fasses une dernière chose. Tiens, Dis-moi. fais annuler ce truc-là. Fais un clic dans ta barre de tâches en bas, là, sur ton ordi. Ah oui, pardon. Clic droit sur ton gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, Ouais. gestionnaire de tâches. On va faire comme si. Alors, tu as Gramps dans la liste là. Ouais. Hop, tu fais un coup de suppresse là, supprimer. Ça va fermer brutalement Gramps. Voilà. Tu le rouvres. Ça, tu peux fermer. Et là, il va. Oh, tiens. Attends, s'il y a un message. Ah non, il n'y a pas de message. Normalement, il devrait te demander pour ça a été fermé brutalement, etc. Bon, bah, tant pis. Alors. Okay. Je voulais te montrer, en fait, sur la ligne des icônes, le premier l'arbre là. Si tu cliques dessus, tu as les trucs que normalement tu dois plus prendre. Je sais pas, quand tu as eu, ça peut arriver que tu as, je sais pas quoi. Ton truc qui Ouais, se plante type ou je ne panne sais de courant ou je sais pas quoi, quoi. t'as lancé une requête infernale qui s'arrête Ouais, qui plus. l'a fait planter. Voilà. Et donc du coup, tu l'arrêtes un peu brutalement. Du coup, quand il arrive dans ces conditions-là, tu vois, t'as l'état avec une espèce d'icône sur cet arbre-là, sur l'arbre qui est utilisé là. T'as arbre totalo, t'as une dans la colonne état, Ouais, t'as une ça. icône. Ouais. En fait, il l'enlève quand on ferme l'arbre proprement, cette icône. Il y a un flag quelque part dans la base de données ou sur le répertoire, je sais pas où. Et quand il la repère à l'ouverture, il se dit qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, quoi. Et donc, du coup, tu te prends un pop-up disant qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est ce que je voulais te montrer, mais je n'avais pas réussi. Et du coup, il faut te dire OK, ouvrir quand même, et du coup, charger l'arbre familial dans ce cas-là. Tu vois, faut le faire en deux temps. Bon, OK. Parce qu'il y en a qui. J'avais déjà vu des gens qui cherchaient un peu quand ça leur était arrivé. Donc, je voulais te me le montrer, Ouais. mais bon, ça n'a pas marché. Tant Et là, ça n'a pas fait. Ouais. pis. Et alors là, si je double-clique sur ce truc-là, là, ça va juste Ouais. Ça ne veut rien faire. rien Ça va faire. bah, t'es déjà dedans. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux double-cliquer sur l'autre, ça va l'ouvrir l'autre par contre. Ouais. Ça peut ouvrir les deux. Non, malheureusement, tu peux ouvrir qu'un arbre à la fois dans Gantt. Ok, d'accord. Ça pourrait être utile pourtant d'avoir deux trucs. Et même, enfin, tu peux pas rouvrir l'app Non, Gramps. tu peux pas ouvrir deux fois Je crois. Gramps. Ouais, non, c'est pas. Ok. Ensuite, si Oups. tu peux, mais il faut t'ouvrir une machine virtuelle, je ne sais pas trop quoi, et puis le Ah connecter au oui, truc. ça. Voilà. Ça devient Ça devient les bien usines à gaz, chiant, quoi, c'est clair. mais. Voilà. Ok. Bon, voilà, on a fait le tour. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Bah, de Et rien. puis, à bientôt, hein, Bah, bonne peut-être. soirée, à plus sur Discord. Sur Discord, ouais, Ouais, surtout. ça marche. Allez, merci Allez, bonne beaucoup. soirée. Ciao, Ciao. ciao. Ça marche pas, enfin. Ah, si ça marche, mettre fin là.